أزول نسوفي سون ونسوفي سون غار السري داكين غار تزويل تكيبا يتقول فيما هالثورة يمين قارة ديمونسوار فوت أقليها كتسوالي مرثما مس رشيد حموتان نغمتنا نغمس أندان أدن قيم كرات تغناثين أندان أدن دنوين غفطس قحريشن صبر ثلاث دقيقة أدو غالغ أدو دناوين إذا شو إذا الصمار دونك أزول رشيد أم كتسيليل صبا أزول محمد أزول مسؤول مغنى تبع رشيد نجي سوري يوتيوب إي بي أزول الكل الأحباب إي مولان تبع تبع الميسيون يجي إن شاء الله إن فوا دو بلوس أني لين أني لين ديال خطر مسن إي بي سورتو إتر لا هوتور سكي زاتونت Absolument. Eh bien, merci. Donc, à quoi nous tenir, à Denawis Raf Touran, le sommaire, déjà le sommaire, à Denawis Raf la super coupe, non, le super coup, il y a un CRB, il y a un la super coupe le, contre donc l'USMA adna wi gaf walid bouy machrif mallal gaf tmsalti yani zelfani par rapport itik tams walout donc il faut des sous-mis يبوي غاف زلفاني من بعد من عبد السلام يبوي ولا فياكيني الدناوي غني فوس الوايه جديد نسي سان مس ايت مولود اي دي بوين اول غاف ميشي توالي تيلوفا الدناوي يسجل غني غاف لا ليغا 20 كيب دونك هذه لينت 38 تمليليين زي في الغوغان اي دي ستون دونك ادنا قيمه كوسا اياكيني أوك رشيد أسينيغ رشيد داش تولي دونك السومير أكنيت نخدم ديجا مي كومام مشي تولي Le sommaire, oui, c'est ce qu'il faut, plus des divers, s'il y a des divers, voilà. On va répondre éventuellement. On va parler aussi, si tu veux, sur la polémique suscitée un peu par le confrère de Louatan Yazid Wahib concernant un peu l'histoire de la prise en charge de la PCR par les clubs. Oui, donc absolument. Ça a suscité une certaine polémique. Tina dit à Gara, enfin à la fin, tu n'as pas le truc. Si Malouk dit ça, tu n'as pas le truc. Tu n'as pas le truc avec l'histoire qui du couvre-feu. Ça coûte de l'argent, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Oui. دونك انفدو ما تبغيت رشيد انفدو الناس في لا سوبر كوب تولى الماتش يظل امشي تولى النيفو سورتو او ديبار النيفو لي زيكيب اش بيد ربي نكيني بيرسونيلمون ان رن سانك جبيي يرناش شويه شبحه يتمليليت C'est normal. Bon, la première impression, c'est que déjà pour une entame de saison, Les deux équipes ont montré quand même qu'il fallait compter avec elles pour le championnat. Oui. D'abord, le CRB en première mi-temps et l'USMA en seconde mi-temps, même si les deux équipes, elles ont été plus ou moins privées de quelques-uns de leurs éléments. Mais une chose est certaine, c'est que c'est des équipes qui vont bien animer le championnat. ورانت مليح يعني ولات سيرتانز اكسيون سي فري كو لو ستاد دو 5 جوي لا كاليتي دو لا بيلوز ايتترا يعني لو كان يبغى البغين ماتشي يصير ماتشي يكرو لو كان درنا لي دو غاليري شبحت اكثر اصحاب لي سما اصحاب لو سي ار بي دونك سا دوني كو ميم اون بون بوتيت ايماج Les deux équipes ont fourni une bonne production. Oui. Ils ont, pour Mkhis Karnstromit, ils ont offert une bonne copie. Absolument. Donc, sur le terrain, il y avait beaucoup de jeux, il y avait beaucoup. On a senti un peu que les équipes sont déjà dans les starting blocks pour le championnat. Oui. Donc, c'est des équipes, il faudrait compter. Et sur lesquels il faudrait compter pour la course au titre. Je n'ai pas vu encore le Mouloudia, je n'ai pas encore vu la JSK, je n'ai pas encore vu les autres équipes, mais si c'est le niveau pratiquement de toutes les équipes d'Ouagui, ça paraît lui d'avoir une belle saison.
Absolument, absolument. Nikini, voilà. Et la deuxième mi-temps, j'ai remarqué le Serbien, il bute de deux très bonnes actions. Vraiment, c'est quelque chose d'exceptionnel. Non, là, il n'y a pas que le Serbien, même l'USMA, ils ont fait de belles phases de jeu. Oui. D'ailleurs, même l'USMA, sur l'ensemble de la deuxième mi-temps, méritait d'égaliser. Bon. Absolument. Ils se sont créés pas mal d'occasions. Mais bon, je dirais que c'est un rodage. Oui. D'ailleurs, c'est excellent pour les deux équipes de se jauger dans une compétition officielle. Oui. Parce que les matchs de préparation, ça reste beaucoup plus pour un peu donner une idée aux entraîneurs. Mais un match comme celui-là, il a donné beaucoup plus une idée précise. D'ailleurs, tout à l'heure, on en a discuté un peu. Inek, c'est vrai. Inek, mais pour lui, le meilleur reste à venir. Oui. Donc, bon, dommage. Je viens d'apprendre le limogeage de Cicolini. Apparemment, c'est une décision qui a été prise par les responsables, par le directeur lui-même. Sinsachor, le directeur de Serpol, qui a pris la décision de limoger Cicolini pour avoir eu un manquement à ses obligations protocolaires, c'est de ne pas être monté pour saluer le Premier ministre. Ouais. Et je crois que... C'est grave, c'est un geste un peu... Oui, très enfin, grave. Oui, mais je dis, c'est ce qu'il y a... Ah, mais Zrad Agniaf Lahadja. Ça a été le même geste pour Omar Gharib qui a été finalement gracié. Non, je crois que Esmeralda c'est un truc où on doit être ferme dans nos décisions à ce moment-là, oui. Oui. Parce que bon, c'est vrai que le règlement de la Coupe, notamment, prévoit même une interdiction pour Cicolini de parce qu'il va y avoir une proposition de radiation à vie. C'est Gizrebli qui n'aura pas exercé pendant 2 ans, surtout venant d'un... C'est un manquement dans la mesure où il est en terre étrangère, il doit s'adapter aux us et coutumes de... Ce n'est pas un problème de dire qu'on ne va pas faire dans la politique, mais il y a quand même des us et des coutumes d'un pays qu'il faudrait respecter. Je crois que s'il y a un manquement à ça, la direction de Serpol elle a jugé utile de... Maintenant, quelles sont les conséquences sur le plan de vue financier? Je ne sais pas, parce que lui aussi, il a un contrat en béton. Mais ça reste un petit peu comme un cheveu sur la soupe qui a gâché quelque peu cette belle fête, parce qu'il y avait une belle fête quand même, Irani. Il y avait le temps, même s'il a fait un peu frisquer, mais le temps était bien. La pelouse était correcte, même la pluie, ça n'a pas tellement gêné les joueurs. Donc, ça reste à la direction de l'USMA de voir un peu la suite à donner à cette histoire-là. Absolument. C'est dommage, Yannick. Ce qui se passe quand pour les clubs avec les entraîneurs étrangers, il y a toujours un problème. Je suis en fait gagné. Ouradi Tahar, l'entraîneur de Mkiskar Mouloudia, Mouchara, Ansaoudan, la FIFA, etc. Oumbadi Walter Waran. Non, Ouna, c'est une autre paire de manches. Non, Thura, il faut dire, ce n'est pas propre à l'entraîneur étranger. Oui. Non, Thura, il y a des règles. Oui. Mais les joueurs, les entraîneurs algériens, ils ont pour habitude de se mettre à l'Hakansen, en s'entendant à l'amiable ou là. Ou Gadni, ils sont régis par des textes réglementaires. Ils signent des contrats, ces contrats-là, ils font valoir leurs contrats, c'est tout. Absolument. Ce n'est pas un petit peu propre à passer des étrangers, non. Parce que, il y a même des entraîneurs étrangers. Il y a même des entraîneurs étrangers qui ont été limogés sans qu'il n'y ait trop de conséquences. Parce que, tout est dans le contrat. Ça dépend comment tu fais ton contrat. Si tu as ton contrat, moi je te cite le cas de Fergani qui avait aussi un contrat en béton avec le Mouloudia. Il a fait valoir ses droits, c'est tout.
Donc ce n'est pas un problème d'étranger ou là. Non, moi je ne tiens pas compte de cet aspect-là des choses. Voilà. Je crois que c'est une leçon qu'ils donnent aussi aux entraîneurs algériens, à eux de s'armer d'un contrat, à même de leur permettre de se désengager ou là, de faire valoir leurs droits. Absolument. Maintenant, l'histoire avec Cicolini, ce n'est pas un fait de jeu ou là, un fait de ou là pour mauvais résultat ou là pour mauvais qui la voilà. C'est une décision politique. Absolument. Il faut dire que d'abord, c'est une décision politique qui n'a pas été prise par la direction de l'USMA. Mais elle a été prise par le DG de l'actionnaire principal de l'USMA, la société Serpor. C'est le PDG de Serpor qui a demandé à ce que Cicolini ne fasse plus partie du staff de l'USMA. Voilà. Oui. Je crois qu'il faut passer à autre chose. On passe à autre chose. Voilà. Donc le sommaire, le sommaire, a dit qu'il y a un chérif Mellal, et il y a eu la radio de la Trouvaille, et il y a eu un chérif Mellal, et il y a rapidement, thème le plus important, il y a la confiance des Zelfani, les joueurs. Zelfani, les joueurs, ça va de soi, c'est normal. Mais Zelfani, il y a un problème parce que Abdeslam, il bouille d'Awel, il fait même un ultimatum, le 28, mais il a eu la licence CAF 1. Il ne s'agit pas d'Imanio. Le وقت ديال الشريف ملال tout en lui exprimant la confiance in Zelfani, ينادى بلي هذه دي لو بون دونك il va satisfaire Abdeslam en quelque sorte. Voilà. Mais bon, Thura, il est tout à fait normal. Oui. Parce que c'est pénible. Oui. Pour un entraîneur aussi d'être sur la tribune. Oui, oui. Donc si l'intervention de Kamal Abdeslam, c'est une sorte de il a tiré la sonnette d'alarme, c'est tout. C'est pas un problème, il faudrait pas en faire peut-être sur les autres points. Oui. Quand il avait parlé peut-être qu'il aurait dû discuter en interne. D'accord. Oui. Mais s'agissant du cas de Zelfani, je crois qu'il n'y a pas qu'Abdeslam qui se pose la question. Oui. Et puis Thura Chérif Agdi Karb Lifi, tant mieux. Bon, il prend la stabilité, tant mieux. Oui. Maintenant, il est vrai que c'est pratiquement, il est difficile. Il est difficile de voir un entraîneur pendant toute une saison, parce que maintenant, Ehou Yarnezid Bouziada, c'est que les matchs, ils vont être des matchs à répétition. Avec le calendrier sur lequel nous allons revenir, le calendrier démentiel qui est préposé, s'il va y avoir des matchs à répétition. Donc c'est un peu, je crois que c'est tout à fait normal. Maintenant, si Chérif arrive, si le président Dragiska arrive à régler ce problème, tant mieux. Ouais. Que demande le peuple si ce n'est d'assurer une stabilité, pourvu que le problème soit réglé. Parce que ce n'est pas... selon certaines informations que j'ai, il pourrait être réglé, d'une manière ou d'une autre. Mais il faut dire que, effectivement, la JSK, l'équipe ne peut pas se permettre d'avoir un entraîneur qui dirigerait de la tribune ou là du... Ça s'est fait, mais ça s'est fait deux fois avec moi, ça. Et avec Zelfani, je crois qu'il faudrait aussi, il y a aussi la JSK, ça reste la JSK. Absolument. Donc voilà, maintenant que c'est bien que Mellal prend la stabilité, c'est excellent. Pourvu que Nérac,
que la situation administrative soit réglée, se règle et qu'il ne fasse pas qu'on se retrouve pas dans la même situation que parce que un banc, il faudrait que l'entraîneur se sente impliqué. D'accord. Il faut qu'il se sente près des joueurs. Il faut qu'il ait cette sensation d'être parce que de temps en temps, ce n'est pas par exemple dans une phase de jeu, un exemple. Il y a un arrêt. Pendant qu'on soigne, ça lui permet d'apporter des rectificatifs. Et la meilleure manière d'apporter des rectificatifs, c'est d'appeler le joueur à la touche, discuter avec lui de vive voix, le sentir, le rapprocher, lui chuchoter quelque chose à l'oreille, je ne sais pas. Donc, Tanguy, je crois que ça se fait dans le monde entier. Ce n'est pas, ce n'est pas propre ni à Zelfandi ni à Najiska, mais c'est tous les entraîneurs du monde, leur place, elle est sur un banc. Sauf maintenant, si c'est pour une suspension de 2-3 matchs, malish. Oui. Mais parce qu'il faut dire aussi quelle aurait été un peu la conséquence si ces 8 matchs restants, on aurait vécu cette même situation. Voilà. Bon, je sais, par exemple, que le cas de Zulfani n'est pas le seul en Afrique. Le cas de Zulfani n'est pas le seul, ni en Afrique, ni en Algérie. Même si la dernière fois, si mes souvenirs sont bons, la commission développement de la CAF, elle a lancé une rencontre avec visioconférence dans laquelle il y avait, tu permets, je vais te les citer, il y avait les trois DTN la zone Afrique Nord, à Maghreb, où ils ont discuté des critères pour relancer cette formation de la. Et maintenant, quand tu vois que tu n'es le compte-rendu de cette rencontre, cette visioconférence, où il y avait le DTN national, il y avait le DTN tunisien, il y avait le DTN marocain. Oui. Donc, ils ont discuté. Oui. Apparemment, ils ont discuté des 8 critères pour lancer cette formation. Mais les 8 critères n'ont pas été énumérés. Dans le même sillage, Tinef, la CAF, elle va envoyer des inspecteurs sur place. Mais comment? De façon inopinée. De façon inopinée. Avec le COVID, avec la... Mais comment? De façon inopinée, comment? D'abord, faut-il aller chez Malzahir avec un vol. Hacham, j'ai gagné un avion spécial, donc à Diaoudé, un Zarablik, l'avion spécial. Voilà. Donc, les conditions pour l'heure. Donc, c'est pour ça que Dakar, la CAF, elle doit aussi. Elle ne doit pas aussi bloquer. Oui. Parce que le problème qui se pose à Mohand, c'est qu'en bloquant ces Africains, ses propres entraîneurs, la CAF, c'est qu'elle permet aux entraîneurs européens qui disposent de la licence UEFA Pro ou la UEFA A, même aux Sud-Américains, de pouvoir exercer en Afrique. Parce que tout là, je prends n'importe quelle équipe. Je prends un exemple, la JISC. Ou là, le Mouloudia, ou la Steph qui sont engagés dans les compétitions africaines. Oui. La CAF refuse un entraîneur sur le banc qui ne dispose pas de CAF A. Oui. Donc maintenant, si la CAF ne va pas se mettre à organiser les stagiaires, pour ainsi dire, c'est un petit peu se mordre la queue. Elle est responsable de... Elle est responsable de cette situation. Elle pourrait être même peut-être attaquée en justice pour ça. Non, tu vas attaquer en justice. Elle te bloque. Non. Il veut travailler. Ça peut attirer des ennuis avec la FIFA. Non, il y a des règles. Mais c'est que les règles aujourd'hui, Mohand, c'est que les règles, elles sont dictées par la pandémie. Oui. Il n'y a plus de... Aujourd'hui, que ce soit les... la FIFA, que ce soit l'UEFA, que ce soit toutes les confédérations membres de la FIFA, nous n'avons pas les moyens. Oui. La preuve, on va revenir en bas sur ça.
c'est que la FIFA elle a donné pour chaque fédération, elle lui a donné 1,5 million de dollars pour faire face à la crise sanitaire pour aider les clubs. Donc à peu près 1,2 milliard d'euros. Voilà. Donc c'est pour faire un petit peu face à ces dépenses. D'ailleurs, la FAF, elle a déjà réparti cet argent, puisqu'elle a reçu aussi, en plus de la CAF, elle a reçu aussi quelques 3 millions, quelques. Là, je n'ai plus en tête le chiffre de la CAF aussi. Bon, pour soutenir, parfois, c'est sous forme de prêt, sous forme de dons. Donc, tu ne peux pas exiger, toi, en tant que FIFA. Elle ne peut pas exiger d'un pays souverain de libérer l'espace aérien. Donc voilà, c'est un peu la preuve. L'équipe nationale est en train de se déplacer par avion, pas par avion spécial, et inversement pour ses équipes adverses. Donc avec tout le protocole sanitaire qu'il faut mettre en place. Donc voilà, c'est un peu ça. نتكمل غادي نكمل مازال غادي نكمل اول نشيف من اللي ند تربعتي نص باللي تاكي مانيس باش تصور 38 لي ماتش ند باللي ويدو زميرنا راه خيرات قيمه قيمه مقام اون كالك سورت ويدو زميرنا باسكو خيار نونسومبل باللي غادي يقول لنا كاكي 20 كلوب دونك ان شامبيون 38 رونكونتر ومن بعد صوره شفت انت ميم مدوار اللي بغا هو اللي فايكيني سي ان بو افيك روغري بيسك حاشا اربعه يدي دوموندي ستادير امر اكثرنا اربعه تربويا بالك ادخل من ديالنا هذا عاود نسود في Non. البون كونتيستي ديالنا Kini, je comprends un peu. Bon, concernant la préparation de la JISC, selon mes informations, la JISC, elle a fait en moyenne une moyenne de 80 séances. Donc la JISC, elle est en droit de dire que son équipe est fin prête. Parce qu'elle a été d'abord la première à entamer la préparation. Parmi tous les clubs, elle est la seule à avoir disputé le plus de matchs, pratiquement une dizaine, par rapport aux autres équipes. Il y a une stabilité au niveau du staff, au niveau de. Bon, même si c'est vrai, quelques joueurs sont arrivés en retard, mais ces joueurs-là, ils étaient déjà l'année dernière. Donc il y avait la cohésion ne devrait pas poser problème pour eux. Maintenant, ça dépend un peu de leur degré de sérieux pendant qu'ils étaient seuls, comment est-ce qu'ils ont travaillé. Mais pour le reste, l'équipe est en droit elle est en droit de dire que son équipe, c'est tout à fait normal de dire que son équipe est fin prête. Maintenant, s'agissant de sa proposition concernant un peu le truc à Guinness, Ishbayar Bechrif, c'est juste une réponse du berger à la bergère. De façon de Non, c'est pas une façon, parce que Chérif, il a bien dit, Youth El-Hadja, parce que jusque-là, il a plaidé pour le changement dans ce truc, il a plaidé pour il a plaidé pour une refonte de ce football. Les gens ne l'ont pas suivi. Maintenant, tant pis pour eux. Il faut assumer. C'est tout. C'est beaucoup plus. C'est un peu le problème. Il est. Chérif, c'est beaucoup plus une manière de rendre un peu la monnaie. Mais sinon, entre nous, cette phase de 38 matchs, parce que, voilà, Chérif a toujours était de ceux qui ont demandé à ce que la compétition se poursuive pour arrêter une fois pour toutes. Il a été de ceux qui a toujours plaidé pour une refonte de ce football. Maintenant, une manière pour lui de dire aux gens, assumez vos responsabilités. C'est tout. Lui, il te dit que la JISC est prête.
Et bon, c'est vrai, mais il faut reconnaître que la JISK va subir les conséquences de cette, de ce calendrier démentiel. Oui. Parce que ça sera, il faut le dire, ça ne sera pas difficile. sans conséquences. Oui. Sans conséquences. Mais je te dis, tu auras, Mais il lui, y a quand c'est tout à fait même normal. Non, mais arraché. sa Mais on posture, a sa posture, relevé. sa posture, elle est normale. Mais Rachid, on a relevé peut-être une chose, un médecin, un coup de Zelfani, on se fait amener à Fles. C'est qui mieux? Zelfani, l'idéal, c'est un championnat à deux groupes. Oui, mais Nérac, ce n'est pas. Mais Nérac, l'attitude de Mellel, c'est beaucoup plus une manière de taquiner les là, autres. Parce il que. est. On s'en tient à ce que nous Parce qu'il sommes classe. parce qu'à un moment donné, il avait. Tu avais cette impression qu'il était un petit peu ce Don Quichotte qui se battait contre les moulins avant. Ouahdes. Ouahdes. Mais je fais au ticket, il devait faire une réunion à Nida, il devait faire consensus, bloc, je m'adapte. Jet Et au Ouahdes. fait de Il fait Younis. Younis. On a le mob par solidarité, solidarité kabylo-kabyle. Ça, c'est vrai. Mais quelque part, moi j'estime que c'est beaucoup plus une. C'est sa manière de leur dire bon, tu vas à Mecca ou l'un qu'on a qu'à la pareil, c'est tout. La seconde Voilà, fois, mais qu'on a que. mais entre nous, tu La حقيقة الوكيد قال نكون جي اس كار جي قال اصلا دات بها من لعبان دات بها من مهم نكون Voilà, tout simplement, c'est. Je vais arriver la sortie de Shérif, c'est beaucoup plus dans ce sens. Oui. C'est qu'il a, il a voulu. À travers sa réaction, c'était, tu sais, c'est une manière pour lui de dénoncer, de continuer dans sa logique de dénonciation de la gestion de ce football. C'est tout. C'est aussi une manière implicite de dénoncer ce qui se passe dans ce football. Dans Parce cette que, manière de. encore une fois, Mais. ce n'est pas possible, ce n'est pas inimaginable. De faire jouer les gens avec. Parce que le problème qui se pose, c'est est-ce que tous les clubs ont les mêmes conditions de récupération? Est-ce que les clubs ont les moyens financiers de faire face à ça? Est-ce que. Parce que. Voilà. Déjà la GS Saoura, le transport, ça va lui coûter les yeux de la tête. Et non, Non, le ça lui a toujours coûté les yeux de la tête. Mais il Mais y a une augmentation quand même. mais Il maintenant, y a 8 matchs de plus. bon, ce n'est pas le problème, n'est pas là. C'est là son attaque qui va supporter. Ils sont pris en charge par une société nationale. Ça Oui. pose pas problème pour eux. Il Très faudrait se voir, il faudrait pas se voiler la face. bien. Contrairement, par exemple, à Ain Melilla, Oui. contrairement à Magra, contrairement à la JISK qui ne dispose pas de clubs de trucs, ce sont des Absolument. petits clubs qui vont souffrir. Absolument. Les moins nantis financièrement qui vont souffrir. Donc c'est toute cette logique-là qu'il faudrait un peu reprendre. Bon, à mon sens, Chérif, une fois de plus. Bon, ça reste ma lecture. Oui, bien sûr. Que c'est une manière à lui de dénoncer encore. Parce que un chose va maclanada. Voilà. Voilà, tu vas deux, tu vas trois groupes, tu vas même coquiner, voilà, c'est une manière de dénoncer. Voilà. Absolument. ادنو غنسولن بتتر بون تم زوالوس ادنا وين قبل قبل انا عندي السياسه تمولود ذا شدي بوين ولا نسان سو شان تلفزيون بوبليك بيان سور قبل ادنو غنغرس اد مازم ما كومونتير كان بارابور الماتش الماتش يخدم من ايضلين غير ليكيب سينيور وكنتين ريزيرف ام ماتش عند نقل ليكيب ريزيرف يربح 1-0 سينا كين تيغاليزي ليكيب سينيور وتربح 2-1 اذا شي سوالي اترافير لو ريزولتا كاين كومون كي ليكتور يتولى داك الشيء ام واحد نتيت زويرو وي en faisant référence à l'USMA et au CRB.
Oui. Tu ne peux réellement, dans la mesure où même cette rencontre est allée, elle s'est jouée en 3 fois 30. Oui. Oui. Donc ça a été une manière de faire des turnover pour être jugé au Jumata. Mais la conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est qu'en épargnant les bonnes bottes, c'est-à-dire que maintenant, je sais que par exemple que Zulfani tient plus ou moins son ossature, sa colonne vertébrale. Oui. Donc il a bonne botte comme gardien. Dans l'axe, il y a Abdeslam et Souyed. Il s'est Rayah dans l'entrejeu. Et il a Ounef Hamroun et Belsayah en attaque. Il ne les a pas fait jouer à l'aile. Oui. C'est-à-dire que aujourd'hui, Chbayarbi, tout son schéma oui. s'articulera autour de ces joueurs-là qu'il n'a pas fait jouer Everley. Peut-être qu'il y aura, au vu de son expérience, Ben Chérifa, mais disons que l'ossature, le squelette, oui. la colonne vertébrale, il l'a mise en place. Ça il nous. Tient à peu près ça à sa mire, puisqu'il n'a pas fait jouer. Oui. Mais maintenant, le problème qui se pose, jusqu'à pour le moment, nous n'avons pas vu, je n'ai pas vu, mais reste à savoir... Est-ce que le travail qui est fait pendant la semaine est appliqué pendant ces matchs-là? Maintenant, reste à connaître un peu l'accent des joueurs, etc. Bon. Je sais, pour un peu reprendre les propos de Kamel Abdeslam, que effectivement l'équipe, ils sont jeunes, il y a du talent, ouais. et ce talent-là, il reste un peu à la patte de au pétrin qui s'appelle Zulfani et le staff technique de bien la faire porter, c'est tout. Que la mayonnaise prenne, c'est tout, c'est pas un problème de... Donc voilà, c'est... Mais pour le reste, je crois que voilà, un peu, il a fait reposer son ossature, il l'a. Sa colonne vertébrale, il s'arrête là. Absolument. Voilà. عندنا وال غير ايت مولود جعفر دونك سلوي جديد لو كلوب سبورتيف اماتور لا جي اس كان يبوي دوال سود منصيب دونك اوفيسيلمون دي يوس تدويل تدي لان دي لا تلفزيون دونك تلفزيون بوبليك عندنا بون يغلد غف تمثال يعني سورتو لو سي اس ا مي نادرني il aura un pied dans le conseil d'administration تم زوالوت ادنا وين غف لي لوكو هناك اون سعر لي لوكو العالي باش ديجا باش لو بيرو هذا يستخدم تي سنات مازال ارتورا ودلرا لا سيريمون دانستالاسيون لي باساسيون دو كونسي خاطر ماشي je voulais dire les passations de consigne inek mazal artura ou de l'intera winad ila la gsk atsurer les titres tout la gsk mutsurer les titres et n'a pas en quelque sorte sa raison d'être inad le csa il va surtout هذا يخدم المجهود ديس باش ديسيكسيون كامل هوندبول جودو لا ناطاسيون الفولي بول السو انت ما كان سنت والسو تساوي لاثاني فون دوموندي اون بار بوين دي شمون لي سبونسور ايتترا تيس ثلاثة بوتيتر ديرني اون انوفاسيون بوتيتر بوتي داكاين هناك اذن انستالي اون كوميسيون ديساج اون كوميسيون ديساج فيت دونسيان جوار de notables peut-être, etc., etc. Ou d'inner exactement des choses. Donc une commission de ça, je vais chez Scavel, Tim Selekini. Il n'est de Berlin, il va, le CSA, il va assister à toutes les réunions du conseil d'administration. Andan Adinine Ewelinson. Il n'est de Berlin, il y aura l'ouverture du capital, donc du capital de la JSK, pour permettre à Inès de cheminer de l'immense interprète, de chez Sazarz. Voilà, grosso modo, il n'est de dernier, il y a
une commission du patrimoine, mon lettre là, hein. J'ai noté d'acquérir ce mot-là. Il a le patrimoine la GSK, des choses exactement, ou dernier, le patrimoine acquis, y compris le logo, etc. etc. Des choses, voilà, la quiz, et oui, Bon. n'a ça qu'il D'abord, il faut parler sur le personnage lui-même. Oui. Jafar, c'est quelqu'un qui est dans le C'est monde notre sportif. Oui. On a joué ensemble au handball. Ah, bah, très bien. Donc, Jafar, dès sa tendre enfance, il a été dans le mouvement associatif, dans le mouvement sportif. Donc, le monde du sport est sinistre. Oui. D'abord, il a été aussi quelqu'un qui a pratiqué. Et c'est quelqu'un qui a été aussi à la tête de la Fédération algérienne de handball pendant 4 ans. Il a fait un Oui. mandat et ça a été le mandat le plus difficile parce que déjà son élection elle a été au forceps parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui le voyaient du mauvais œil sans son arrivée. Je n'ai راشي pas cité. une petite note كان اللي ولادي طلب مني نهضر شويه في قبيله Et voilà, نهضر pas de souci. Mais de بون nerf, c'est quoi le lagal, c'est quoi le même les شكرا formes. كي دوق من كي دنا Y سي a pas. بلاني مي مي هذا الشيء طاح في قبيله D'accord. Ah là, y a pas de souci. مالي Sera. مراوليك Voilà, y a pas de souci. Mais de nerf, donc il a de la fédération de handball. Oui. Smigved. Déjà, Siegi, Stizi Ouzou, Van Torpille. Voilà, il y a des intérêts. Siegi, Stizi Ouzou, moi je le dis, et il est là pour me contredire, n'a pour polar. On a tout fait pour le Torpille. Voilà. Mais il est passé comme président de la fédération. Pendant tout son exercice, il a eu beaucoup de difficultés, notamment, il a eu beaucoup, beaucoup, il y a eu beaucoup d'embûches. De tracas. Parce que Nérac, il dérangeait certains intérêts. Parce qu'il faut dire qu'à un moment donné, comme toutes les disciplines, il y a des lobbies. Oui. Et quand tu viens que tu n'es comme un madrouh avec un mouchbou dans le charva, ça. C'est que. C'est que. Ou c'est que le venait charvani. Est-ce que sont déjà les secours? Voilà. Donc un petit peu ça. Maintenant, pour le CSA, il a été Yadam, je crois qu'avec 2 voix supplémentaires à Fzardout. Et on est au bout de 13 ou au bout de 11. Donc, même Vina, Dakhlni, il y a aussi des intérêts. Parce qu'il a Khazar Balik. Moi, j'ai été. Moi, quand j'ai appris ça, ça m'a un peu choqué. C'est qu'il y a des gens qui touchent des indemnités à l'intérieur du CSA. Maintenant, est-ce qu'il aura les coudées franches? Parce qu'il y a parmi les membres du bureau du CSA, Zarir, ils ont été contre lui, ils ont mené campagne contre lui, mais ils sont membres du bureau. Est-ce qu'il va avoir les coudées franches? Oui. Ou qui sera, Manchallah, Adi. Pour le reste, il faudrait, Thura, Adnawa, Vanida, Medi Kriyoun, il a cassé 10 avec un programme. Il a cassé 10 un programme. Oui. Des choses vont être très mal. Emzoun est cabaret le politique. Oui. Il a cassé des choses. Sur cette très mal. Des choses. Il va être très mal. Des choses. Marovic. Il va être sauvé. Il faudrait qu'il ait un sauvé. Thème il a qu'à savoir au niveau de toutes les élections.
même au niveau des au même au niveau et rien à casser une avare une quasar mais au niveau des grands clubs au niveau des grandes fédérations mais dans notre région là qui est canadien vivent il tient de quoi un programme أمر ذو الفغين هرشي بلا بلا ما تناقص محيط ما داك جادة تكملوه نو بارسكو بارسكو سي داكتواليتي تم سلاكين داكتواليتي كتير إلي زيتازوني لي زيتازوني سوالي ذا شي ضران ذا كيسكي باس لوسكو أن نوفو برزيدون يتلو تول بيرسونيل ني غاكويتن طرمبين تقدر فنو كل قشنسن بيان سور Ou le nouveau président a dit oui, l'équipe il doit aller خدم ou là je vais Hacham Meissan Temselt le Sénat parce qu'il a eu un comportement contraire aux intérêts des États-Unis contraire une c'est tout mais le reste non si quelqu'un est propre a dit oui then Chang est de خيرنا دي خميدس ممكن محمد oui ça On revient, M. Dunelassini, on revient. Il a fait un nouvel, Artemselt, le règlement et le statut du CSA. Oui. Parce que c'est vrai, M. Kidkard. Madirouh Yiwen. Oui, qui n'est pas qu'il de Madlevray. Madirouh Yiwen. Oui. C'est une règle générale. Madirouh Yiwen, il a dit oui, ne serait-ce que deux, trois éléments sur lesquels il va reposer son truc. Quelqu'un de confiance. Oui. Mais Tchikchini a droit à. Déjà, tu sais, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, oui. Donc, ça, parce que normalement, il a comme dit au lab, mais je dis, dimanis, aigar, pardon, la faf, est-ce que je veux dire? Mais Zidji, il est venu avec une équipe. Donc, il est venu avec ses gens de confiance. Absolument. Ailleurs. Parce que le problème qui se pose, c'est que même le connaît Orna Vegi, Massamakchini, par exemple, le président de la PC, c'est le parti qui lui impose le reste. Non. Il a Knikini Madroha, le Silwayn Triwent. Il a Madroha. Je suis tête de liste, mais les dossiers qui n'ont fini de faire, c'est ça le. Oui. Nous connaissons tout est biaisé quelque part. Oui. Bon, exemple, qu'est-ce que c'est biaisé, mais tout est biaisé. Couche, voilà. Donc, il y a Roura, couche, il y a Roura. Ou il y a Raf. Il y a Roura. Floukam. Oui. Voilà. Donc, Roura, Nitsa, pour mettre en place. Tout son programme, il l'a. Est-ce que ils vont l'accompagner ou pas dans son programme? Oui. Cela pour le programme. Il a dit ce qu'il doit faire. Oui. Il est vrai que il a le CSA un droit de regard. Parce que Jusque-là, ou la Karen, ce qu'il devait maintenant, ou la Karen Rome, était sur Arvel. Le CSA, jusque-là, n'avait pas son mot à dire au niveau de la SSP. Il l'a quête. Maintenant, pour eux, maintenant, donc, imposer, mais ce n'est pas s'imposer. Oui. Il faut qu'il y ait les ferrages guère imposés et s'imposer. Il est là parce qu'il est partie prenante, il est partie prenante du conseil d'administration de la SSP. Oui. Même si on dit qu'il est actionnaire majoritaire, mais en fait, comment est-ce qu'il va faire valoir ses actions? Ce qui est bien, c'est quand tu as abordé les différentes phases, il a envie de redonner à la JISK. C'est tout à fait normal, la JISK a toujours joué les titres. Oui. Mais il arrive à une période dans l'histoire d'un club, Anida Izmer, le club, il peut un peu connaître sa période de vache maigre.
Mais où la carrière, où la carrière, où la carrière, la période ni asval, خاطر مقرف pardon, هذه يسعو هذه كسطح الثقة et l'entourage et le club et les supporters etc etc. Donc la FISCA est une machine à titre. Oui. Okay, ce n'est pas pour rien qu'elle est le club le plus titré en Algérie. Okay. Mais s'il a été le plus titré, parce qu'il y avait une organisation qui a été mise en place. Donc, où le chacham, où il venait l'air, où il s'arrête le cesse. Mais c'est le cesse, il s'arrête. Oui. Allahumma barak. Mais le cesse, il y a un carton, il y a أخاميني كذي أوضى نذا أكرتون اسم ذي اللخص ذي أذيبسي صحيح دونك ثقي تسم زواروث مانتنو لوفرتور دي كابيتال أنكور إن فوا إلا كان سفهم فهو لقي لوفرتور دي كابيتال لوفرتور دي كابيتال نو بو سفير ملك واغض لا كونتابيتوس دي كثر يفو أسينير لي كونت et assainir la situation financière. Parce que tu n'es pas droit. Parce qu'ouvrir un capital, c'est quoi? Comme investisseur, là, pour mettre de l'argent dans une société par action. Ma boîte est rémunérée. Il a qu'à demander à Gorraf, à demander à Chulan d'Akhel, à Soufa, à Zra Chulan. Mais si on a dit, nous sommes les gens, nous sommes les gens, nous sommes les gens, nous sommes les gens, nous sommes de cette assemblée, il n'est pas ce n'est pas facile, ça prendra du temps. Oui. Parce qu'il faudrait d'abord une audite. Il faudrait assainir la situation sur le plan de vue comptable. D'accord. Ça dépend. Il est tout à fait normal de dire qu'il n'y a pas eu de passation de consigne. Pourquoi? C'est la question qu'il faut poser. Est-ce qu'il y a des choses qui sont cachées? Est-ce qu'il y a vice de forme? Est-ce qu'il y a un tas de choses? Thura, il y qu'il faut faire une évaluation du patrimoine, c'est tout à fait normal, puisque le patrimoine, il appartient au CSA. Parce que les actions du CSA, ce sont son patrimoine. Et que je me suis CSA, que je m'avais avec le patrimoine. Et que je m'avais avec le patrimoine. Matériel et immatériel. Ou dit que chimère, c'est des rimes. Oui, au rang de les actions. Mais le CSA, il est actionnaire majoritaire en fonction de son patrimoine. En plus du titre de la GSK en tant que. Non, on appelle ça le titre, on appelle ça un patrimoine immatériel. Oui. Et on en a discuté, net. Yeah. Ou alors l'USMA ou l'Almolodia, ils ont signé une convention, la SSPA, elle doit payer pour l'année 1, pour l'année 5 milliards. Ça reste des conventions. Mais le CSA est là pour garantir la pérennité du sigle. Oui. خطر أزكى خنياك السني ما ورد خمجي أثر دغاغة الحيض هذا الرغم من مولا نسمى يوي من ما سنسوفخ نعم دونك السجيات سوالي هذا فهوني تنطرين دو شانجي يا دي نون دو مارتير أو كالوني تنطرين شانجي هوني تنطرين شانجي دي باتيزيزون دي كول اكسيتيرا دونك ولنكيني ما ورد الكلوب سينيا با اون كلوز منترديزون de toucher au cycle, je peux acheter la douala GS Hamouten ou la CR Hamouten ou la ASS Hamouten, je ne sais pas.
Justement, Isfamarid, j'attire l'attention with Redis Wallin, l'entretien Khadum, dans le détail, Hassanet Abdelmalek, Isfamarid a plus l'ouverture du capital, Amkizaron, et Sawad, il note c'est très difficile, l'ouverture du capital, parce qu'il y a beaucoup de choses où la Hontara. Donc c'est difficile d'ouvrir le capital, mais les supporters, ils insistent sur ça. Non, Ils mais les supporters, les supporters, il va ouvrir là, il n'y a pas de souci. Mais en contrepartie, est-ce qu'il y a cet investisseur? Et c'est est-ce ça. Qu'il y a ce repreneur? Oula, je vois dire oui. Bon, il faudra créer dans la patience, rien. Mais en contrepartie, donc pas de nom. Oui. Parce que le problème qui se pose, c'est que la CSSPA, les comptes sociaux, jusqu'à un certain degré, je ne sais pas, mais à un moment donné, ils étaient déficitaires. Oh, ils déjà, étaient déficitaires. Déjà, Rachid, avec l'affaire de dette fiscale et parafiscale, les clubs, ils sont vraiment très endettés. Ils sont presque déficitaires. Les dettes fiscales, ils sont jusqu'à 100 milliards. Et ils sont les centaines de les dettes. C'est un vrai problème. Moi, je crois que une dernière fois une aide le maouna doula, parce qu'il n'y a aucun club. Les clubs qui ont les sociétés sont parce que les sociétés elles étaient prêtes à acheter. Parce que pour une société nationale, c'est quoi 80 milliards ou là 100 milliards de dettes de chute? C'est rien du tout. C'est deux fois rien. C'est une section de la perte de profit. Mais un investisseur du HCD le ministre. Un privé ou une salle de ministre, oui, oui. 100 milliards, 120 milliards. C'est des dirimes. Oui. Et puis, ma diction. Il a dit que je me dis que c'est Wallis. Absolument. C'est le bar. Mais il s'est dit ça. Donc c'est... Zrel. Tant qu'on a dit ça, un véritable professionnalisme. Une véritable sens, gestion professionnelle. Dans le sens large. Oui. Où un hiver, Chéri Kayagi, Isman CSSPA, au Sahara, il y a un modèle de gestion, parce qu'il faudrait mettre en place un modèle de gestion. Oui. Donc c'est... Maintenant, il parle aussi de récupérer le patrimoine pour revenir au patrimoine. C'est tout à fait normal. Il doit récupérer le patrimoine. Il a, ça fait partie, oui, dès le plan d'ouverture du capital. Il dit ça, je suis là. Absolument. Mais tu as fait dîner. Ni qui ni sourire. Belli que le club, oui, ne va pas dire 80 milliards d'addiction. Et maintenant, il y a des choses. Des choses, 80 milliards. Des choses. Parce qu'en plus, parmi le patrimoine immatériel, c'est que tu as les trophées, tu as les titres. Oui. Les joueurs, ils sont considérés comme étant une valeur matérielle. Mais aussi, le problème qui se pose, est-ce que cette valeur-là est déclarée à son prix réel? Oui. Parce que Mazar Kchini, sur le plan de vue parafiscal et fiscal, les clubs sont autorisés de déclarer les joueurs à hauteur de 270 000 dinars. Oui. Ils perçoivent une mensualité officiellement de 270 milliards. 270 000, c'est 21 millions. Et qu'il y a alors qu'il ne sait pas si tu touches 150 millions. Donc, il y a ce qu'il y a. Il y a un rôle qui est dîner.
ادينا بلي جوار فلاني يسوى 500 يسوى 200 مليون ادينا في كيد 200 مليون هكا نكي نضرو حضرو 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 على فيسكاليتي حضرو حضرو على كازورا اش انا في كيد اللي طايح خدام هنا كي لاجيسك اذا با 27 مليون دينا سمح من خسخس 27 مليون وي صافي دونك يلاق il faut assainir toute la situation. Parce que dit qu'il il a qu'à céder le capital, céder le capital. Oui, céder le capital, mais en contrepartie, il a qu'à sauver. On a dit, on a dit, la preuve, le SMA, essayé. Ce n'est pas l'équipe dirigeante sportive qui a pris la décision de limoger Cicolini. Mais c'est l'instance dirigeante de Serport. C'est le PDG de Serport. Oui. Parce que Madar kif-kif. Son attaque Mehwayes kif-kif. Ce n'est pas un problème. Il n'y a pas de souci. Mais il a qu'à me dire que je suis en train de me dire que je suis en train de أغرف هذه جبدة شو قلت la preuve pourquoi aujourd'hui Eid Mouloud n'a pas encore pris possession réellement officiellement de ses fonctions parce que est-ce que ça cache quelque chose je ne sais pas la réponse c'est à lui de nous la donner maintenant pour cette histoire de il y a un comité non une commission des sages des chefs de la commission avec les conflits Céline la maison de Tontakini peut-être dernier année même les supporters de l'Ali Céline avec une commission des sages à dire une figure à calmer oui maintenant vont nous choisir et un problème ça nous une commission Oui, c'est connu. Thura où les gens font confiance. Il y a une équipe dirigeante. Oui. Il y a normalement, c'est comme dans un bateau. Mais il y a le vavor, il a reis le vavor, oui. Il a l'équipage, il a aussi les moussaillons. Et qu'à Thura Mathbouda Sivara, deux choses lui. Ou la qu'est-ce que ça veut dire que l'équipage parce que le problème tout là l'histoire de commission des sages c'est là être le raïs mais essayez les gens viennent avec leur argent oui n'est à casser tout le Medinine mais l'a suspendu son poste de président oui sur le point de vue sportif Mais la fédération ne peut rien contre lui en tant qu'actionnaire. Absolument, en tant que dirigeant déjà. En tant qu'actionnaire, Khalil. Eh. En tant qu'actionnaire. Donc, la meilleure solution, c'est qu'il y ait des rencontres périodiques CSA, CSPA, discuter, aplanir oui. les problèmes, parce qu'il faudrait qu'il y ait encore cette culture des choses. Il a quand même des tables là. Pour discuter d'un problème. Mais elle est un sofa, c'est la hinsa. Mais il y a des gens qui ont été en train de se faire. Mais il faut que la réunion soit. Mais le problème est là. Elle est fascinante. Elle est fascinante. Elle est fascinante. Mais le cas est là. C'est malheureux. مدن فغانا ذاين دون لو وي لي صواب ماري لي مشكل اسيد نحلي اسافنا اسيد نوي هذا قيمه نهضر في القصر انا نهضر في اللاس دونك بور موا بون مانتونون اسميس سا ريست ان افي ا لوي Oui. Il va tenter de faire la mise en place de cette commission de sages. Mais bon. Il y a eu une commission des sages. Quel a été leur impact? Il y a eu une commission des sages à un moment donné, mais quel a été leur impact? Et oui, il y a eu une commission des sages, mais qui n'a jamais été honorée. C'est malheureux.
اي دونك ثورة اقدم ما فهمتش كان سليم سلام il y a eu une commission des sages enfin, qui a été constituée d'anciens joueurs et d'anciens dirigeants de la JISCA. Mais bon, ils ont fait ce qu'ils ont pu faire. Absolument. C'est leur mérite. Parce qu'ils ont la JISCA. Absolument. Mais bon, mais est-ce que ça vous donne Saint-Nivra, nous allons voilà. بقول لك انا رشيد بالك خدمه تورا تعدت ساعه كان اذا نقيم اونسومبل ادينا كان ودي تورا زقليت يتسيين هذا دي سيول ودي لان يدنا يتسي هذا دي سيول ونزميرا يسي ينفضا التدوير تلقى ادنا ويكرا بوالد هو مكرا تسيول تورا ما تبغى ما تسيول ما الا ويفغى هذا دي سيول الزمرم هذا تسيولهم وتستقسيم أقلاق داكيني أقلاق دا الرشيد أدنوي غف أما غفل السيسة أما غفين دينا شنف ملال أما أفتمسل تكين أفلاكوب نغلوكو دا السيار بين يتبوين لو نيفو أم تتولم إضلي في مليلي ثنين دي لانجر السيار بين أكد لو اسما إسكو سي أبرسياب لو جو مد العالي مد بغا مد داوي مول أصوض غورون أقلق يدبون Mais en attendant, ben, quand tu sais où le va. Marquant, voilà, dernier, l'histoire de la gestion. Oui. C'est vrai que, bon, il y a quelqu'un, Vagui Asilo Dahman, qui a parlé de. Sanouid de Sawalen, Asinard de Garjou de Réka. Malish, c'est pas un souci. Azul, Anouid de Sawalen, la Salama. Allô. Allô, la Salama, Kanouid de Sawalen. Azul. Allô. Azul, la Kinsella, Anouid de Sawalen. الو الو اسلغاكي انا نودي سوالن ازول دي سلارا الو وي اكي نسلا غنودي سوالن ازول نودي سوالن نو الى راكوشي الى راكوشي دونك كان محمد يا كلكان كي ا بوزي لا كيسيون افكتيفمون Avec des carbes, voilà, si je lis un peu, je dis, non, l'autre, il faut qu'on passe par les boutiques du club, restaurant, hôtel, cotisation des amoureux du club, c'est l'ouverture du capital, en Algérie, une bonne gestion. Je suis d'accord avec lui. Mais c'est l'autre, Hadja. Est-ce que le produit... Il s'est arrivé. Azoul, 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 Anoui, des Sawalens, là, c'est le mec. Azoul, d'abord. Là, c'est le mec, Anouan. Je bats, c'est le... جوبا سي فرنسا لا سلامك جوبا دا شي فرد تقصيد صوت غورك زل فلك الدموح سينا زل لي الدراشيد اخيرا جوبا سلامة بون كنت سوالي على الورد دو جور سي لوفيرتور دو كابيتال سي سا نو نهضر دا فطاس تمثال نبود نبوي دا فاين دي بوان شريف ملال ليميسيون دي لا راديو شان دو نبوي دا افايت مولول ديرني اف لوفيرتو دو كابيتال طاس تمثال نيران في دي بوي دا شي تقلب لو سي اس باش هذا تيخدم كمي دي بوض ايات مولود دونك خزرك شتي دا شي تبغي تقصيد صوال غورك كيلك سوا السوجي فوالا Là justement dans le sens à gagner de l'ouverture du capital parce que bon c'est le football qui nous intéresse beaucoup plus ouais. Voilà la GSK c'est beaucoup plus le football oui donc justement et moi qui n'ai pas l'ouverture du capital et Hadja Zemzourouf Aran Moukal c'est justement c'est la loi oui Donc la loi, l'ouverture du capital, justement, il faut valoriser ce qui appartient au CSA. Voilà, le patrimoine. L'ouverture du capital. Il a dit, venez, le patrimoine, c'est des choses. Voilà, donc le CSA, justement, jusqu'à présent, c'est des valeurs morales beaucoup plus. C'est des valeurs fictives.
Voilà, c'est des valeurs fictives. Donc il faut les matérialiser, il faut les évaluer, il faut les valoriser. Eftner du vrimen, et wakina nkhamel l'ouverture du capital. Absolument. Et c'est ce que Ajuba. Ajuba. Alam. Salvaïd. C'est ce que Ajoudenir. N'y a que moi en tant qu'investisseur. Ma roha. Il a qu'à d'avoir à voir. Rafa Zarachulan d'Akhl Tessil. Il a qu'à Zarachulan. Ou il a qu'à ma roha d'avoir les vrimen. Adar Nokan Stohlman. Adar Stohlman. Il faut le flavor can. Adar Nostohl Hummus. Donc il faudrait il a anzar. Oui, oui. Effectivement. Le, oui, exactement. Effectivement, justement, c'est pour ça que... Non, parce qu'il faudrait justement. Il faudrait aussi nertitsglina. Non, en plus du patrimoine matériel qu'il faut quantifier, il faudrait aussi donner de la valeur au titre. La Giscard a eu essayé la 14 titres de champion d'Algérie. Elle a 5 Coupes d'Afrique, alors 3-6 Coupes d'Afrique. Exactement. Et tout ça, c'est des valeurs. C'est l'Arkad Rachid. Ernouyes. Oui, justement, les statuts. Les statuts nous défendent en 2010 pour passer au professionnalisme, ainsi de suite. Ouais, ouais. Justement, Einstein et Mara, il faut le valoriser. C'est le palmarès du club. Donc, les titres, Coupes d'Afrique, les Coupes d'Algérie, les championnats, ainsi de suite. Il n'y a pas que ça. Il a même Aïdina, justement, la loi de Chidkar, Fkar de Belia. Par exemple, tu as la GSK, tu es en première division. Oui. Donc, il faut estimer, c'est-à-dire, il faut considérer le club, par exemple, dans une division inférieure, et compter, et que le budget, et le club, et la première division, c'est-à-dire, si on considère que la GSK, elle était par exemple, de manière régionale 4, donc, et il lui a fallu du budget, donc tous les deux, Régional Tarois, ainsi de suite, deuxième division, première division. Donc, un chèque est marrant, dernier, il faut le comptabiliser. Bien sûr. Et Rata, j'ai ce qu'il y a de l'air à quel la première division. Donc, il y a tout un parcours de chèque dans la première division. Donc, un chèque est marrant, dernier, c'était tout un budget qu'il faut comptabiliser. Bien sûr. Donc, monsieur, les titres qu'il Mais il y a autre chose. Oui, donc c'est... Il y a autre chose à Juba. C'est qu'il faudrait aussi quantifier les supporters. C'est le fonds de commerce. C'est les clients. Il y a les murs et le fond. Exactement. Il y a oui, les murs le logo, et le fond. Le logo aussi. Voilà. Non, le logo, c'est un truc immatériel. Le logo. Il faut le quantifier aussi. Mais il faudrait en faire... Un truc immuable. Il ne doit pas faire l'objet de cession. Parce que maintenant, le logo à Juba. Exactement. Est-ce que Smith GS Juba? Oui. C'est le haq. Khatar, tu l'as acheté, Didriminik. Voilà. Tu l'as mort, qu'un Juba. Bien sûr, Inek. Voilà. Justement, c'est Reskia. Voilà. Anam. Nirak, donc, le problème qui se pose. C'est que. Donc, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure. Mais le Ajuba. Ajuba, Smahi. Avant que tu n'appelles, oui. J'allais. Ajuba, dis fait que va d'Adouard Ajuba. Comme la Wali Karachi. D'Ajuba Diner. Ce que je voulais dire tout à l'heure, Mith Hafsa. Mith Kumasad. J'ai voulu dire autre chose. Est-ce que le football algérien est un produit réellement commercial? Parce que est-ce qu'il a une valeur marchande réelle? On a... Voilà. C'est ça le problème. On a qu'à regarder les recettes TV. Là, j'ai ce qu'on a justement en novembre 2020, donc bientôt décembre 2020. Donc là, j'ai ce qu'on n'a pas reçu ces droits TV jusqu'à présent de la saison passée. Donc, c'est un simple exemple. C'est-à-dire sur le côté commercial. C'est pas normal, c'est ça. Oui.
كمل ايه هو ايه فرق اقلق 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 نبدا لا سيزون الو السلا ودي تفارس صوتي كجوبا ودي تفارس صوتي الو سلمي بدا كاكيا اكني سميو فوالا هو كاكيا سلمي ايه وي وي كمل اولي وي ناك Next, si on parle sur le côté commercial, donc il y a un simple exemple, MVA, c'est la saison 2019-2020. La GSK n'a pas encore perçu les droits TV Inès de la saison 2019-2020, alors que dans 5 jours, elle verra la saison 2020-2021. Comme toutes les équipes, hein, il faut le préciser, mais j'ai acheté ça. Oui, là, le président de là, il est oui, fiché, il fait qu'il est, hein, voilà. Et... C'est pas uniquement la GSK. Oui, tu vois, c'est un simple. C'est-à-dire, comment que la loi, justement, est ficelée pour ne pas permettre au club d'aller réellement vers le professionnalisme. Mais je fais de. Mais à connaître ce monsieur, en 2016. En 2016, donc, il y a Rivemours. Donc, tu vois, j'ai suivi très bien l'actualité. Mais je fais le président du MCO. C'est monsieur qui nous aura. Je fais Rafi Smith. Donc le MCO, donc ramène dans une procédure qui n'est pas une voie vers l'ouverture du capital. On bat le président du CSA, il s'est opposé. Donc l'opposition est le motif des choses. Il n'y a pendant la guerre d'Algérie, bien sûr, donc Léonil Guérin, on avait un joueur. Tombé au champ d'honneur, donc il mousse d'un jahed. Oui. Inès, il mousse d'un jahed. Inès, donc le sang des martyrs n'a pas de valeur. Donc, Ouna, Inès, il appartenait au CSA le jour. Donc, Inès, comment valoriser justement le sacrifice du joueur à Guinée? Inès, on ne peut pas le valoriser. Et bien, justement, c'était le motif. Qui a freiné et qui a bloqué l'ouverture du capital, la SSPA MCO. Inès Ndril Jouane, elle appartenait au CSA, Inès Nimous au champ d'honneur, et le sang des martyrs n'a pas de valeur, donc hop, tu bloques la procédure. Fais même non, un voilà. Petit peu le. Ajuba, cette histoire-là, c'était oui. Beaucoup plus. Oui. C'était beaucoup plus un problème entre le Mahnaoui et Winaf et Djoubari, je crois, à cause du président Yagi. C'était un problème. C'était une manière de vouloir bloquer un président. C'est tout. Il y a beaucoup d'enjeux, justement, parce que tu le veuilles ou pas, ça appartient à l'histoire. Ce joueur, ce martyr n'appartient pas au MCO. Absolument. Il appartient à l'Algérie. À l'Algérie entière. Donc, moi je suis un peu au courant de l'histoire. C'était beaucoup plus pour bloquer à l'époque l'entrée de certains dirigeants, de certains investisseurs, parce que le MCO, à l'image de. Il a qu'à deviner. À la GISCA, nous n'avons pas. Pas yani, les gros problèmes que rencontrent certains clubs de l'intérieur, notamment le MCO. Donc ça a été toujours une rivalité, ça a été toujours un problème d'ego entre les dirigeants. Mais je te dis une chose, effectivement, il y a toute une procédure, que ce n'est pas du jour au lendemain, parce que il a un son blic, je vais te faire une confidence, qui m'a été faite, je la fais aujourd'hui. Qui m'a été faite oui. Par l'ancien commissaire aux apports, qui a été désigné pour la GISC. On discutait, il n'est que ce n'est pas propre à la GISC, oui. C'est aussi CITIF, c'est aussi le Mouloudia, parce qu'il devait prendre en charge tout ça. Oui. Il n'est que quand j'ai demandé, le capital, on m'a donné un chiffre. Il n'est que on revient à cette histoire, il a qu'un le patrimoine. Il est de la contrepartie ce que vous êtes en train d'avancer. On a été incapable de lui donner la contrepartie oui. À Smith-là, 50 milliards. On a été incapable de lui donner la contrepartie vénale de ce patrimoine qui a permis aux gens d'estimer le patrimoine à 50 milliards. Parce que c'est pas, même à OAS le terrain,
Est-ce qu'il y a dans le terrain dont on est en train de parler, 20 milliards, 30 milliards, 40 milliards? Mais Mazdar l'Hsavik, là jusqu'à la 3 ou 4 appartements, qu'est-ce que ça coûte? 4-5 milliards, vers Baïsen. Il y a 10. Oui. Ouais. Donc tu n'es pas, tu n'es jamais à cette somme. Donc, effectivement, oui. il faut qu'il y ait une véritable audite. Il faut qu'il y ait une véritable... il faudrait sous-peser, il faudrait peser tout ce que possède la GISC pour pouvoir lui donner. Thura, on est revenu à cette histoire de truc où il faut toutes les valeurs matérielles et immatérielles doivent être comptabilisées avant de passer à l'ouverture du capital. Oui, exactement. Mais justement, les statuts en 2010, le MGS avec le ministère du Commerce. Donc, c'était les clubs avaient engagé un commissaire au compte qui va faire son audit et son estimation. D'abord, non, il y a deux commissaires à Juba. Il y a le commissaire au compte et le commissaire aux apports. Oui. Il y a aussi le commissaire aux apports. C'est lui qui va évaluer. Le commissaire au compte. Oui, exactement. Il va donner la gestion. Quand le commissaire au compte aura aplani la gestion, a dit Soufal Kitus de la gestion, et bien c'est le commissaire aux apports. Parce qu'Aïgar, le commissaire. Il sera désigné par le tribunal commercial. Voilà, c'est le commissaire aux apports. Sinon, un commissaire au compte. C'est le tribunal commercial qui va le désigner. Voilà. Non, il est désigné par le tribunal commercial, effectivement. Mais sinon, le commissaire au compte. Oui. Le commissaire au compte, toi-même, tu peux prendre n'importe quel commissaire au compte, il va te faire tes comptes. Oui. Mais le commissaire aux apports, il est désigné. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, Donc, Rachid Karen, les statuts. Karen de Blia, le club, donc, il a le droit de choisir. C'est l'Assemblée Générale qui va désigner le commissaire au compte du club. Donc, avec l'estimation Inès. Donc, une fois l'estimation est faite, donc, à le tribunal commercial. Le tribunal commercial a désigné un commissaire aux comptes, un commissaire aux comptes de Nansen, qui est agréé par le tribunal commercial à Guinée, avec son estimation. Donc, une fois les deux estimations à Guinée et sont faites par les deux parties, les statuts de Chit Karen. Karen de Blirad-Khadman, la première année qui a été faite par le club, plus celle qui a été faite par le tribunal commercial, divisée par deux, à Daphne, la moyenne. Donc, c'est la moyenne année qui sera prise en compte au final. Et qui est carrément les statuts de 2010, le ministère, le MGS, le ministère du commerce. Exactement. Soit. Donc, c'est le club, plus c'est le tribunal commercial, donc divisé par deux, à définir une moyenne. Donc, par exemple, 70 milliards plus 80 milliards, donc ça va faire 150, divisé par deux, c'est 150 par deux, ça fait 75. Donc, c'est 75. Voilà. Non, Zareva Ajuba, il y a les ingrédients nécessaires. Les ingrédients juridiques existent. Mais reste l'application. Je crois qu'on a répondu à ta question. Voilà. T'as mis ta juba. Mais justement, une question qui est un guerre. Alors, ça va, non. Benoît.
باسكو بالك لو صحي تبدا معي صحي راسك معليش سمحتي كان معليش اون ابرون يدون صافي بليزير مي هكا سي سي اون ريشيسون كيكيان الا ونت دراشي الدين تا كاد دي زانفو اون بروفيت بيان سور بيان سور روح كمل اولي صحي جوستومون شتا كينيا اد نورال ار الوقت من فا جوستومون نخدم لوفيرتور دو كابيتال دونك اشحال الوقت قلق سي صا انزر ان سامبل بروجي دي ثمور ان سامبل بروجي يسخم المارشينس ما الا يسخم مليار سا برون دو زون تروا زون بور فير ان مارشي دي ترافو الوغ كو لا جيسكا سلافا اجوبا الوقت ça oui. Tout dépendra du temps que mettra d'abord le commissaire au compte pour compléter un peu ton information pour te dire autre chose c'est que le commissaire au compte il est désigné pour un mandat de 3 ans avec 2 mandats renouvelables au-delà il ne peut plus être commissaire au compte tu dois changer de commissaire au compte ça dépend du commissaire au compte que tu dois mettre en place mais aussi du commissaire aux apports. Ce sont eux, tant qu'ils n'ont pas assaini les comptes, on ne peut pas parler maintenant. Ils restent parce que il a qu'à zardir le hajatanik. C'est qu'il faudrait demain, quand tu vas lancer ça, c'est quelque part, tu vas avoir des créanciers qui vont venir. Et que d'où les factures ne sont pas. Échou. Donc ah ça peut prendre jusqu'à une année à deux années. Voilà. Tu as dit que tu as dit On a nous une heure. Après, pratiquement 18h32, on a nous une heure. Tant que merci que je bang, il me dit ça au lendemain, il me dit qu'il y a de là. Donc, nous sommes mille à Rachid. Donc, avec plaisir. Ah, ça va. لا سلامك يا رزقي غنمشي تسيري يا رزقي الو الزول يا رزقي سلام الدموع لا سلامك غنمشي تسيري صباح والله صباح الدموع لاباس صباح صباح لاباس والله قام تحمام الرحبه وي تحمام الرحبه نكش مي الحساب هذا نوحل كش دار روشي اكشد الله شي الدار الرشيد خاف الزبده وي شي صحار ارزف فيه اسبوزا كان يو اسبوزا كي يو كيسيون الدار الرشيد اريزي روح روح يا رزقي والدار الرشيد انا عمر رزقي اسلم زريت الله يسلمك زريت وكان قيم 100 طون ولا شربنا تر كابيتال ايجيسكا نعم دجوز ما كان قيم 100 طون ولا شنو بيرتير كابيتال يجي اسك ان قيم 100 طون فا با اوفرير بدينا يا غار بدينا وي 100 طون ولاش الى ما راس اسيدي واش قسمي ستفن اتفيت تفنت لي سيبورتور ما لي سيبورتور جي اسك لينتر وطمارة سي ارزات والله امين لا ما درتش بها الدنيا لاما لا شو قديني ده رأيك ستون اكسكلوزيفيتي ذكي الرشيد ده الرشيد كيف بغانا ادخل من كان بغانا ادخل من لبرت الكابيتال متن خدمات امك سياد بي خدمات دي سما خدمات اغر حشان وكلنا متن خدمات ايه ثورة صرفة ثورة صرفة اسمع اكيد يا
اكيد ديال رزقي سقيم كان اكيد ديال مال كان انا السله السله هذا فوالا مال كان ظريف effectivement ça dépend de la volonté des dirigeants parce que à un moment donné il devait y avoir l'État avait pris il faut dire des vérités Esmif Ken son attaque ils lui ont donné trois clubs à un moment donné Naftal MCO pour revenir un peu à Chudinesgilina Juba il y a trop on n'a rien. Pour revenir à ce qu'avait dit à propos du MCO, Garrison, c'est à couteau tiré au niveau des dirigeants. La Sonatrac avait pris la GS Saoura, avait pris le MCA et avait pris le CSI. Oui. Pourquoi? Parce que Saoura est une situation, elle se trouve dans une situation géopolitique stratégique du pays. Le MCA et le CSC, ça a été pris pour des raisons tout à fait sociales. Parce que ça draine la grande foule, ça draine du monde. Donc il faudrait. Il fallait contenir un peu tout ce beau monde-là. Pour le reste, il y a, moi je te cite un exemple. À un moment donné, la JISK qui se plaignait de ne pas avoir de société, je n'ai pas envie de rentrer dans une autre polémique. Le premier ministre de l'époque, quand il était venu à Tizi Ouzou, Inayesen Mbrok. Au public Maynès Mbrok, la société et la JISK. Esmit Bovan, les dirigeants de cette société qui continue toujours à sponsoriser la JISK. Esmit Bovan, pour signer, pour prendre en charge la JISK, l'ancienne direction a refusé, Nenesen, vous venez comme sponsor. Le directeur de la société en question a signé un chèque de 3 milliards, il est reparti. Donc, Essegui, s'il y a réellement une volonté d'ouverture du capital, il faut mettre les fondamentaux nécessaires pour l'ouverture de ce capital. Thura, Niatsis Glina. Le football algérien, il est improductif en termes de valeur marchande. Il ne peut pas apporter un plus. Si ce n'est que les clubs algériens, c'est des gouffres sans fin d'argent. Donc, en contrepartie, il n'y a rien du tout. Thura, encore une fois, ce n'est pas propre à la JISK, l'ouverture du capital. Le Harash, ils ont tenté une ouverture du capital, ils n'ont pas trouvé quelqu'un pour venir chez eux. Oui. Maintenant, s'il y a moi je ne fais pas dans la comparaison. Moi je parle de faits. De faits réels. Moi, je pose la question maintenant et je la pose en direct. Quel est cet investisseur ou ce repreneur intéressé par la JISK? Que les gens se manifestent. Machad Linin Len. Len, Kouan. Len, point. Enwathen. Il faudrait concrétiser ces gens-là. Ils ont un droit de voir. Ils ont un droit de voir.
هذا هو هذا هو هذا هو إما ما توجور يتيل كو دونك وداش أيا رزقي كان مادة راشي أيا رزقي ورزقي 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 نكيني أرزقي سمحي أنا Moi, je suis là, comme consultant pour apporter des éclairages. Voilà. Oui, je suis là. Nérak. Nérak. Moi, Juba, il a ajouté de l'eau à mon moulin. Il a parlé effectivement les statuts l'en. Thura, s'il y a une volonté, S'il y a une volonté, Allahumma barak. S'il n'y a pas une volonté, Allahumma barak. Je ne suis pas là pour juger les gens. Absolument. D'accord, Rizqi. Je vais vous dire. اسني كاكا مازال ديسي ديز 20 طون مازال كاف قنجي اسكا ان شاء الله زرضا ارزقي انا كوم لي شوز اون شانجي parce que il est vrai comme un petit carob plik tant que les mentalités n'ont pas changé on risque de ne pas changer Mais, Esmi, le professionnalisme en Algérie, il a fallu que Blatter ait une table pour que Rawarawa se mette à faire la mise en place du professionnalisme. La preuve, c'est qu'il a été tellement acculé, il l'a fait sous pression, qu'il l'a fait de manière tout à fait désordonnée, et nous sommes en train de récolter les conséquences de ce... de cette... Ça fait 20 ans en arrière. Demain, Je ne sais pas, Eskana, dans une année, oui. dans 10 ans, je ne sais pas. Je ne peux pas prédire la chose. Il va y avoir, certainement, parce que le football est en train d'évoluer. Le monde du football est en train d'évoluer. Yeah. Demain, la Fédération internationale de football va obliger les gens à changer de comportement. Pour votre capitaine. Voilà. تنمرت يا رزقي ميرسي بوكو من السولوض عرفي كلت النظر ميرسي ناك أيا سلامة يا رزقي سلامة تنمرت فوالا بون ذا شارع دنيني الكابيتال أتصي نهضر في اللاس سوتو سمانة يكيني أتصي نبوي في اللاس نبوي داك مس أيت عبد الملك نبوي دا نعود نبوي دا الساكيدي يعني نبوي في اللاس Donc, à savoir voir où ne va dernier où n'allait des Séoulens. Tout à l'heure, je voulais aborder sur en attendant ma Séoulens. Allez-y, Rachid. Il y a une certaine polémique à propos. Il y a un journaliste qui est sur les réseaux sociaux. Mmh. Il est extrêmement décent de voir la Ligue professionnelle de football prendre en charge la PCR des joueurs pendant que des citoyens entiers. De nombreux citoyens ne trouvent pas ou alors ils ne peuvent pas faire le test PCR parce que le test en lui-même il est cher, il varie entre 10 000 et 18 000 dinars c'est pratiquement le salaire c'est le salaire minimum c'est le prix du SNFG tout là la question qui se pose si la fédération et la ligue vont puiser du trésor public, moi je donne raison à Yazid Wahib. Oui. Parce que nous sommes tous Algériens, oui. ce n'est pas le joueur où il fera un simple citoyen. Absolument. Parce que le problème qui se pose,
c'est que chaque fois, ce même joueur, il a chaque match, tu le prélèves. Maintenant, si la fédération et la ligue ont décidé de prendre sur l'argent qu'a donné la FIFA dans le cadre de la gestion de la crise, oui. Parce que normalement, hein? C'est que la FIFA a donné de l'argent pour aider les fédérations, mais que ces fédérations aussi, elles ont distribué de l'argent pour venir en aide au club. Absolument. Donc, si l'argent est utilisé, c'est l'argent de la FIFA, marhaba. Mais cet argent de la FIFA, il ne concerne pas uniquement la PCR. Il concerne aussi le fonctionnement des clubs impactés par la COVID. Mais sinon, sur le plan de vue, le Ma'akoul, il a tout à fait raison de dire qu'on n'a pas à privilégier un citoyen par rapport à un autre au motif qu'il joue au football. Mais finalement, Slih Rachid, finalement, Slih, apparemment, Medouar, le président de la Ligue de football professionnel, il va payer les PCR à Kenya sur les droits de télévision qui vont être perçus. Mais elles, ils ne sont pas perçus. Ils vont être perçus. Donc, d'ici les années, amis, il faut la vie des clubs. Oui, mais il faut la vie des clubs, bien sûr. Parce que c'est vrai que ça va coûter de l'argent. Ça va coûter de l'argent. Bah, moi, je te dis. Mais il est sur les droits de télévision qui reviennent au club. Ils reviennent au club, donc c'est au club de s'exprimer. Mais il est utilisé de Guayaquil. Bien sûr. Pas la Ligue de football professionnelle de l'utiliser dans ce cadre. Mais il faut puiser de l'argent quelque part. Maintenant, si ça leur revient de droit, oui. Il y a qu'il y ait une comptabilité, claire, c'est tout. Avec les PCR, la PCR est par exemple un ensemble global. Je vais me limiter à 10 000 dinars. S'il y a 30, ça te fait 30 000 dinars. Je multiplie par le nombre. Par exemple, sur 15 matchs, ça te fait 450 000 dinars. Oui. La cote parraine sur la télévision, tu as 1 million de dinars, je t'enlève les 449. Ça, c'est autre chose. C'est comme si c'est quel l'achor. Mais, mec de Kara, voilà. Oui. Parce que Mazal Kchini et Smith, voilà, les trucs, Thura, Mazal, l'argent qui a été donné. Voilà. La FAB, moi, j'ai devant moi un truc. Il n'est que la fédération a bénéficié d'un montant de 1 million de dollars, alors que c'est normalement 1 million, 5 milliards de dollars. Pas uniquement d'un million de la part et 300 000 dollars issus de la CAF. Donc, en deux tranches, la première, prochain jour, etc., etc. Alors, la Ligue professionnelle, voilà. Enfin, voilà ce qu'ils disent. Voilà. En plus, la LFP elle a bénéficié de 3 millions de dinars pour 20 clubs, total 60. La Ligue nationale du football amateur, 1,2 milliard de dinars, ça fait 36 clubs, ça fait 39. La Ligue interrégion de football, 6 millions de dinars, une ligue 6 millions. Ligue régionale, 4 millions de dinars. 9 ligues, 36 millions. Ligue Lahore, ça fait un total général de 165,6 millions de dinars qui ont été répartis par la FAF. Maintenant, avec Dakara, cette répartition, elle rentre dans quel cadre? Est-ce qu'elle rentre dans le cadre de l'aide qui a été Lahore? Mais maintenant, si cet argent a été si l'argent de la FIFA il a été distribué, avec quel argent la Ligue ou la Fédération vont puiser? Et combien même?
Nira, tu es là. Si c'est un problème d'écriture comptable, quel le club, tu as droit à 100 millions de dinars de frais de droits de télévision, je t'impute, mais comme donne la facture, je t'impute de cet argent-là. Je t'impute par exemple un exemple. Ouais. C'est-à-dire, au lieu que ça soit, c'est comme si c'est un achat groupé. Au lieu que ce soit le club Badir, on a dit, au lieu le club Badir, on a dit la PCR ou Hades, on fait un achat groupé, ça revient moins cher. On va dire qu'en contrepartie, tant mieux. Mais si c'est pour tirer uniquement, c'est parce que tu vas payer la PCR et Guy, sur le. C'est un qui s'est carroi, un qui s'est carroi, arabe, mais il est au bacharlo. Donc c'est un peu ça. Donc voilà un peu le problème où il se situe. Absolument. Mais encore une fois, si le club, il doit prendre en charge, maintenant qu'ils prennent en charge par la fédération qu'elle justifie cette dépense, mais maintenant que la fédération a trop à Dawi, Idrim, sur le trésor public, moi je trouve que c'est aussi indécent parce que nous sommes Algériens devant l'éternel. Donc, nous ne sommes pas, il n'y a pas de super Algériens. Absolument. Déjà qu'ils sont chichement payés, sont interloctionnés par rapport à un fonctionnaire, par rapport à une madame. Donc, voilà un peu la chose. Absolument. Voilà pour ça. Et finalement, il y a eu le Covid qui est venu à l'hôpital. مازال يتسنرني ام كي تسوالي ضا ام كي تسوالي ضا الحالة دايور جو تيان سالوي لا ميموار دو كيلكان كي بوكو دوني بور فوتبول ناسيونال سي محمد بوكارو من حاج بوكارو مي يموت ولا نسى سوا كوفيد وي دونك il était président de la ligue interrégionale de football, il était membre du bureau fédéral, actuellement il a été élu dernièrement président du club amateur Khmis Khchna, mais bon, c'est pas la forme, c'est la Covid. Absolument. Donc la Covid, elle est en train de tout faire, elle est en train de massacrer un peu le monde du sport et le monde en général. Oui. Donc voilà, c'est un peu, nous sommes dans une situation qui touche un peu tout le monde. Ce n'est pas un problème, Barque, voilà. Et ben... شارك الدنيا أنا خدمي بتيت بوز ولا شو بدي سولن ولا كان مس حسن أنت عبد الملك يسلمت في لنا يسلمت في لك ولا كنا ندو بون كوراج أو دو تنميرتيك وين كنت تسلمها في لك ولا صوت غرون ما تفهم أدت تسولم أقلا سريد نسويد نتكمل لو سومير تزرمت لو سومير ذاشوت نبويد غفل سيربي سوبر كو نا سوبر كوب سيربي نبوين لا سوبر كوب يظلي نبويد غف ملال اي لو شوا دو زلفاني اون كالك سورتي لا شوا دي زلفاني اي لا بوليميك اللي قال يكرن غاف الزلفاني اكود لا ليسونس كاف ان نبويد غاف لو سي اس ان زي ام كي تولي ايت مولود انت تريت ايت مولود فاكرون نبويد غاف لا ليغ ا 20 ايكيب سا سكال فورا لو شوا ا 20 ايكيب فورا تو مي دون لوكازيون دو بارلي دو سيت هيستوار لا وي كان حسب الكالندري هناك لا فاز اللي تفك هو مود مارس وي الى فاز روتور تفك مود جوي اسكو دا سي بوسيبل بروبليم لا باسكو اي فو بلاسي انتر مارس اوكي افري مي جوان جوي 4 mois 4 mois sur les 4 mois tu dois placer 18 semaines 18 matchs. Oui. Arjo, il faut compter pratiquement la mi-avril. Si on fait le championnat, il faut donner une trêve. Oui, merci. Il faut au moins une semaine. Parce que le problème qui se pose là,
Je ne sais pas quand est-ce que la FIFA va arrêter aussi. Bon, on a parlé des dates valides. Oui. Mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle va arrêter le marché des transferts. Parce qu'il va poser problème. Oui. Parce que souvent, Florian bah, il dénote peut-être la situation exceptionnelle, la règle exceptionnelle. La période des transferts, comment tu vas la faire? Tu vas l'ouvrir quand? Tu vas la fermer quand? Mais de fait que là, les joueurs, les équipes ont besoin de se renforcer, ont besoin de libérer, ont besoin de tout ça. Absolument. Ça pose problème aussi pour les joueurs. Déjà, à Kagisoura, actuellement, il y a des joueurs, leur contrat, il se termine en décembre. Comment est-ce qu'ils vont faire? Voilà, le problème, il est là. Il y a toute cette problématique. Je ne sais pas si la fédération a répondu à cette histoire-là. Parce que le comme tu le dis, au mois de décembre, le bonhomme il est libre de tout engagement. C'est un non. sur le plan de vue juridique. Hein. De toute façon, c'est un imbroglio. Bien sûr. Vraiment, Mais adhérent. Kala, Ziv, à faire par exemple ailleurs, un dernier vol, quand il y a un certain nombre de joueurs et au niveau du staff, il y a un certain nombre de contaminés, on annule la rencontre. Il y a les Marseille contre Rennes, la match. Ils ont annulé la rencontre faute parce qu'il y avait des joueurs qui étaient testés positifs dans les deux côtés. Quand est-ce que tu vas faire jouer? Un autre exemple. Est-ce que le terrain est praticable ou le terrain est praticable? On n'a pas mis de fenêtre. Khadarthura, normalement, Maranoural dans une gestion rigoureuse. Il a fait le 28 novembre, première journée, le calendrier le 15 juillet. Jusqu'au 15 juillet, il a fait les dates. Là, on va se mettre déjà avec 15 clubs. On s'est mis à naviguer à vue. Avec un programme pour le mois de mars, programme pour le mois d'avril, programme pour le mois de janvier, programme pour le mois de mai, programme pour. Absolument. Alors Alors, que oui. on va continuer là. Et moi je trouve moi je trouve ridicule le truc des mecs d'Inéblique. Il y a un cycle au bout de 3 années, un chemin normal, c'est un normal jamais. Il faut diminuer le nombre de clubs. Absolument. L'Ukrainien va à soi. Akhlana, dans une situation exceptionnelle, tout le monde va accepter le truc exceptionnel ici. Le halayagi exceptionnel. Tu mets deux groupes et tu soulages. Pour une saison, tu peux manœuvrer. Et parce qu'il y a la Coupe d'Algérie, maintenant, tu as la Coupe d'Algérie. Un vrai problème, monsieur. On a parlé de la Ligue 1 et la Ligue 2, mais les équipes, la DNA, mais rien. Pour le moment, où les chercher des fonds. Nous, أزول أزول ما سحسن أي عبد الملك كم كتسليط أزول أزول في الأول أزول أزول يا راشد حمودان أخيرا كتسليط أحسن كومون فاتو لاباس عسلامة والله الحمد ربي أقلع راكي الغاية الحم هو راشد أزرع سنة ثمرت النوال نكون يفضو سميض بعد أمور déjà à 11h du matin, 11h30, faisait 29 degrés. C'est où est-ce que c'est? C'est où est-ce que c'est? Oui. À 11h du matin. Adesmek taka wid غادي يسلن وزرعنا يماهات بلي سوا لا غيد ديال السودان دونك مس احسن ايت عبد الملك ديريكتور دو لا فورماسيون حقا مبروك في الاول لا فيكتوار سور الكانا الله يسلمك لاين فيكتوار راشي دي ديرنيير مينوت دونك لا زريع دو اتسن اون كورس زريع باش نطحنط مع اتسن ا 6 بوان le Ghana et l'Afrique du Sud, ils sont à 9 points. Sao Tome et Principe, Tenger, vous êtes bien là, on marche.
Zareg, je suis en train de suivre. Voilà. Ça va, ça. Ah ben, je m'en doute pas d'un et Hubert, ah, je m'en doute et pas de... Et Hubert, ça va. Je prépare un stage pour les ex-internationaux, donc un stage pour les entraîneurs. Oui. Je suis en train de te mettre un peu le chalet Kouliré Goulmen pour un stage minimum de 80 à 120 heures. Voilà, donc un stage de 3 semaines à 4 semaines à peu près. Là, il y a des Inch'Allah. Donc, mais le Donc, une kinim, championnat de commencement, on va qu'il a fait garandor, c'est garandor, c'est guise, c'est un arnaud, c'est guise, c'est guise, c'est guise, c'est guise, c'est guise, prochain, c'est le 28. Si je me trompe pas, marron, par oui. 28. Donc, une kinim, vous faites, blékez, il est chaud de bougour, 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 il est ce qui fait, c'est encore une fois que le calendrier est différent jusqu'au mois de juillet. Il est jusqu'au mois de juillet. Vous allez voir, est-ce que le championnat est qui a fait le championnat? Il a fait le championnat au mois de juillet, voire août. Il a fait le mois de juillet. Mais, parce qu'il faut dire le temps. Nous sommes Abdelkrim Medouar, donc le président de la LFP, la Ligue de football professionnel. Il est donc la phase aller à le mois de mars, la phase retour à Tsorohaïma le mois de juillet. Voilà, dans cette idée, il y a des gens qui ont fait des choses. Mais là, il y a des gens qui c'est pas possible de faire le mois d'octobre. Voilà. Le championnat, donc, il donc, risque de partir donc, jusqu'au mois d'octobre. Et donc, championnat à Maqued maintenant, puisque il y a 38 journées. Donc, il y a vraiment la trêve hostilière. La trêve, la trêve hivernale, la trêve hostilière, ça dirait qu'il y a l'église. L'église, il y a la trêve. Oui. Le championnat, il y a l'église. Soit c'est comme ça, il reste qu'une deux semaines. Mais il reste qu'une deux semaines de trêve. Ça ne sert à rien. Donc, le championnat de Tskemir, chaque week-end, donc ils seront obligés de se lever deux matchs par semaine. Donc, Umbed, il y a des matchs d'Afrique. Il y a des matchs de la sélection. Est-ce que les matchs de la sélection, l'équipe nationale, le championnat de Habsenera, est-ce que tu remets de bois, il y a des matchs de retard? Il a dit, après mon quarantaine, je me rends compte 15 jours, en quarantaine, joueurs, ne 5 6 des joueurs. Donc l'équipe se met déclarée neuf forfait. Donc elle rentre en quarantaine. Oui. Donc je sais qu'il y a ça engage qu'une kiné. C'est pas vraiment deux groupes.
En deux groupes, 10 équipes, 10 équipes. À 18 journées, 9 journées aller, 9 journées retour. Les équipes qui sont dans la Coupe d'Afrique, c'est le temps de voyager, c'est le temps de préparer, c'est le temps de rentrer neuf, c'est-à-dire un trêve après 9 journées. Après, tu as un trêve, tu as 9 journées de zone. On va faire un play-off. Le play-off, on va faire le play-down. Tu as le play-down, on est sur le bon, on va faire le play-off. On a fourni les deux premiers de chaque groupe. Là, on a qu'un demi-finale, finale, où ils font champion, où ils font vice-champion, troisième et quatrième. Et play down, c'est kiff-kiff. Donc, c'est pareil. Comme ça, à mon avis, c'est, je pense, c'est une alternative qui pourra vraiment être utilisée. C'est comme ça. Hein. Bon, après 38 journées, d'avoir une petite bine. Déjà, je suis allé à l'église. وريح بصرا شامبيون هاي الحوم وي راشي ماركان ما جو فيان دو فير ما جو فيان دو فير ان بتي كونت دو 28 نوفمبر جوسكو 31 مارس وي اي فا افوار 17 جورني 17 ويكاند هكا دونك روس ديجا سمح لي الى 17 الى 17 ويكاند وي اي وي Il faut tenir compte d'une trêve de 21 jours. Okay. Donc tu vas reprendre. Oui. Tu vas reprendre pratiquement dans la deuxième décade du mois d'avril. Du mois d'avril jusqu'au 31 juillet, tu as 16 semaines. Alors, Inid, toi qui es technicien, comment tu vas gérer une telle situation avec une moyenne de 2? Parce que tout à l'heure, je l'ai dit, est-ce qu'ils ont prévu des fenêtres dans ce calendrier pour les matchs de retard qui seront dus à la pandémie parce qu'ils n'ont pas déterminé le nombre de joueurs, le nombre du staff, s'ils sont atteints, jusqu'à combien tu vas annuler le match. Et car, de deux, Ils n'ont pas déterminé les aléas du temps. Est-ce qu'il y a un terrain qui sera fermé pour faute parce que toutes nos pelouses ne sont pas prémunies contre le gel ou contre la neige ou contre les intempéries. Est-ce qu'ils n'ont pas prévu de fenêtres parce que avec un calendrier idivenen. Marhaba. Mais où est-ce qu'il y a quand commencé et puis il y a allé au bonheur la chance. Un khadum, mais le minza n'hafus. Il n'y a aucune planification. Il n'y a aucune planification. Parce que Arjoudan. Thura, Masser, tes quatre représentants africains qui seront soumis encore, ça veut dire Belik Tuba. Maintenant, de deux choses l'une, ou tu privilégies la compétition continentale ou la compétition nationale. Parce que, Aïgar, tu as une équipe comme le CRB qui va commencer la semaine prochaine. Le CRB, l'USMA, le Mouloudia, CRB, Mouloudia, ils sont concernés par le premier tour. Ils vont pas, là, alors que le premier tour, il se situe à partir du 28, le tour préliminaire. Voilà. Donc déjà, tu as deux matchs qui sont reportés. Ils ne disent même pas quand est-ce qu'ils vont les placer. Ouais. Le retour le 6 décembre. Ouais. Le retour le 6 décembre. Quand est-ce que tu vas placer? Tu vois, c'est... On est parti. Regarde, oui. Allah Usard. Et Allah. Tabba. Oui. Et au bonheur, la chance. Et c'est là qu'on va se retrouver devant une situation bien compliquée. Parce que les techniciens... Exactement. Les techniciens, tes confrères, les techniciens, ils ne sauront plus sur quel pied danser. Aux Alénara, un mec, Dawin, un mec, Rassaudan, un Kahraman. Je ne suis pas technicien. S'il y a deux rencontres par semaine, ça peut. Mais il faut penser. Il faut penser au physique des gens. Mais il y a les gens, les équipes, elles ont toutes 27 joueurs.
Ben, c'est des professionnels, il faut bien... Mais tu es à Mohand. Si tu as 27 joueurs, et pourquoi quand il y a une sélection nationale, plus de 3 joueurs, tu annules le match? Il y a que ça de 27. Oui, tout ça. Non, les choses ont été si mal faites. Elles ont été faites un peu dans la précipitation, parce qu'il a Kanzari, il a Hajjadar. Demain, les autorités sanitaires disent « N'est-ce c'est vrai. Nous sommes dans une situation est-ce que tous les clubs ont les moyens? L'Afrique. Beaucoup plus avec les connexions. Je ne sais pas, mais je suis sûr, l'Afrique, voyager avec Smith Landajiaska. Donc, c'est quoi les connexions avec le Karayek? Il y a des nouvelles, la COVID, il y a des watanagues. Soit il y a des connexions, le Netoulak de Karlouk, déjà, il y a des connexions d'un pays à l'Oyeau, ou à Rentmelier. Il y a des sous-colonnettes pour les un aéroport. Mais là, il faut ce qui cherche le 40, mais il faut ce que le test PCR, imaginons, tout le monde qui cherche le test PCR, c'est un exemple, une faute administrative. Il y a qui dit que le droit de la site Mouche Moudafdan, c'est un exemple, le GS4 du Congo, c'est un exemple. Le Congo, qui est nous connaît Orna, au Covid, il y a un pays, il a 4 mois de test PCR avec Orna. Et que la GS4 est de la halle de Sarah Wokt. 24 heures, ils demandent d'aller la quatre heures tiers. Donc, si nous n'avions pas fait le test PCR, nous n'avions pas d'avoir un cas, mais nous avons les résultats. Si les résultats sont négatifs, nous avons dans 2 jours, tiers, ça ne sera pas. Donc, qu'est-ce qui t'arrache le regard de n'acheter? Je ne suis pas dans cette optique. Mais après, parce que nous allons l'Allemagne, donc, inshallah, incessamment, nous allons l'Allemagne pour me reposer, inshallah. ناني تسوق بلا اللي غير الطياره ذاك ديال الخرطوم باش كذا اللي غير الطياره ايجيبت اير يعني في الامارات انا كي لقد دوار لي تيست بي سي ار نيجاتيف فوق في الباسكت تاع دار الطياره ذاك ديجا دوك راه شي ناس كما نروحوا دون زان بي وزرنا واحد الشون ديال مو سمحني كان رشيد سمحني كان تكمل راك انا لا لا بون بون دي سمحي سمحي كي كذا جوج مراك تصور صح لا رشيد عندكم لا كارطه نقطه كيف كاول كيف كا سمح لي رشيد عندكم لا نقطه كيما الشغل ني كنشتاكي الزمرك دي كوزي ان روتار دو 24 اور 48 اور اتراتي لو فول ني دونك لو فول ني اتراتي دونك سان ان ماتش دون اون سيمين لما كدنا دون اون سيمين ماتش ريتور دو كوب دافريك دونك تفضي ماني كون ليو تصاف 4 جور ني 96 اور 4 ايام دو بريباراسيون تفضي ماني l'équipe n'est visiteuse ni zouari que le Zaire parce que ça sera comment que ça marche si ni tout faire dans des gosses ça sera comment que ça marche avec un retard donc un chèque d'avis je me le dis à dire nous un autre problème ou avec le retard fait le retard voilà tous les jours de venir à ouf non seulement qui n'est qu'un douala non seulement au niveau des fédérations locales mais au niveau même de la CAF il faut mettre aussi les clubs qui sont comment ça va gérer cette Coupe d'Afrique, même au niveau de la Coupe d'Afrique. Parce que les pays, il y a un cahier de charges bien respecté, ou il y a des équipes qui ont comment gérer. Ouais, tu l'as rachid, il y a le hic, il y a le problème, les succès. Les fenêtres qui sont en train de se faire. Tu as l'une des fenêtres. Ouahsa. J'ai voulu abonder dans le même sens que toi. Le dernier scandale de l'équipe du Gabon, qui a passé la nuit qui a passé une nuit à l'aéroport sans rien du tout livrer à elle-même en Gambie pour le match de éliminatoires de la Coupe d'Afrique. C'est un pays. Ouais. Il lui a pas été autorisé à rentrer parce qu'ils n'ont pas le document comme tu es en train de dire. Ils ont passé la nuit à l'aéroport. Oui. Donc le dernier, c'est le dernier scandale en date de la CAF. Oui. Exact. Donc c'est pour dire Zrer, le Kanyani Vral Maakoul. Où nous avons une fédération qui prend les décisions qui tranchent. Regarde, moi, je fais jouer un championnat à deux poules.
même l'année prochaine, exact. Même s'il n'y a pas de truc, ne serait-ce que pour désigner le champion, tu fais jouer la Coupe d'Afrique et tu fais jouer le finaliste. Le champion et le finaliste, ils vont jouer le titre. L'un, il va jouer la Coupe d'Afrique. Ils vont jouer les deux, ils vont jouer la Ligue des Champions. Et tu vas faire jouer un match d'appui entre les deux deuxièmes qui va désigner le troisième représentant à la CAF. Et tu vas faire jouer la Coupe d'Algérie. Le vainqueur jouera le quatrième représentant à la Coupe de la CAF. Voilà ce qu'il fallait faire. Il fallait trancher. Tu es fédération. Mais c'est pas difficile. Non. C'est pas difficile à mettre en place. C'est pas difficile. C'est pas difficile à mettre en place. C'est pas difficile. Il faut trancher. C'est tout. Il faut trancher. Mais quand tu as une fédération qui est à la merci des clubs parce qu'elle se reproche des choses. Mabkach. Et je te dis encore une fois. J'abonde dans les propos de Mlel qui avait dit fois Maka et Baoulan Kounen là avec. Parce que ma santem, je ne défends personne, mais je suis en train de prendre acte de certains faits. Oui. Que Maka et Baoulan Kounen. Nous sommes prêts. Maalish Siti. Mazawala Outar, t'aimes qui c'est Karwara. Mais le problème, Lucan Wagadagit Khamimen et la santé des joueurs, parce que tu es technicien à l'Ixrev, tu vas finir une saison avec déjà la phase aller. Tu vas la finir avec des joueurs sur les rotules. Ils vont être cramés. Ah ben oui. Ils vont être cramés. Comment tu vas faire signer Mimet Khamalari? Est-ce que tous les clubs, parce qu'il faut poser la question, est-ce que tous les clubs possèdent des moyens de récupération? Est-ce que les clubs ils disposent d'un sauna? Est-ce que les clubs ils disposent d'un hôtel? Est-ce que les clubs pour, etc., etc., etc. C'est ça le drame. Mais à mon avis, à l'origine, la catastrophe qui est en quelque sorte qui risque de se produire, c'est le fait que la FAF a atteint le système qui est à 20 clubs. Non, le système de 20 clubs, c'est un 16 clubs. Il fallait, parce qu'ils ont arrêté le championnat à 8 journées. Parce que Mazhamad les calculs INEC. Même le dernier du championnat, il y a 24 points à prendre. Sur les 24 points nés, il peut ne pas être relégable. C'est-à-dire que Nithni, MKC, ils sont arrivés à faire une chose. Donc c'est subjectif. C'est subjectif, mais. On est arrivé à 20 clubs Aïra. Parce qu'il y avait un homme fort à l'époque au niveau du pouvoir qui est dans Naba, il s'est classé deuxième, et solide. C'est, nous ne sommes pas dans un truc à niveau de la rigueur. Thura, l'idéal, oui. Essayer, c'est de se hisser au niveau des grandes nations du football, qui, dans le championnat, la Ligue 1 normalement, elle se situe entre 18 et 20 clubs, pour tirer vers le haut. Les Anglais, ils ont trouvé l'idéal, c'est 20 clubs. Parce qu'à un moment donné, l'Angleterre, il peut me contredire, puisqu'il savait achever le football européen. À un moment donné, il y avait 22 clubs en Angleterre. Sobon à 20 clubs, qui reste une norme internationale. Les grands championnats, ils sont à 20-18 clubs. Oui. Donc, ils se donnent le temps. Il y a de la rigueur dans la gestion. Parce que l'Académie, il y a le football. Blik maternel 4 matchs ziyada, c'est-à-dire 8 matchs sur l'ensemble, c'est quelque chose. Tu vas sur 8 matchs sur ziyada, même 6 matchs si tu fais 18 clubs, c'est une bonne chose, ça tire vers le haut. Ça peut te permettre d'avoir une meilleure idée. Mais Thura, en l'état actuel, il n'avait pas d'autre choix. Parce qu'à de l'oral, maintenant l'histoire de 20 clubs, on va revenir sur quel critère ils ont dessiné le Mouloudia.
Esme Serbe comme champion, alors qu'il restait encore des journées. Donc c'est Tura Adnini Adnini Blik Thamselt. Non, monsieur, les clubs n'ont pas dit. Tu es, c'est toi, en tant qu'instance. C'est à toi de gérer. Est-ce que ce qui est né, ça a une certaine logique, donc désigner nos communes, souligner, d'Ursobben, etc. Est-ce que ce qui est né, si on suit cette logique, s'ils appliquent la même logique, donc la prochaine édition, elle aura la 24 clubs. Non. Il y a de Rachid Hamouten, c'est vrai, même en Angleterre, actuellement, c'est l'un même des divisions, ce qu'on appelle la Ligue Championship, c'est la Ligue 1, la Ligue 2. L'un ou des groupes, l'un 24 équipes, l'un des groupes, l'un 22 équipes. Mais comme sur l'Angleterre, l'un des Yachiri, mais je sais c'est le cas. Je ne sais pas si c'est le cas. La question se pose. Maintenu en place. Est-ce que vous avez des techniciens, des fins techniciens, est-ce que aussi, sur le plan médico-sportif aussi, les médecins, aussi, Je vais vous dire que n'arrange la personne. Et surtout, on veut s'arranger les techniciens et les joueurs. Parce que ce n'est pas une décision du bureau. Il y a des gens qui ont des gens qui ont des c'est pas pour rendre service aux équipes qui sont relégables. Tout le monde est sobbent. C'est-à-dire que l'amitié, une relation avec un président, parce que normalement, puisque nous connaissons une décision courageuse, parce que comment se fait-il, ce qu'un championnat est CRB, vous devez le dire.
On a une série de mérites championnats. Parce que je vais faire des journées. Donc, d'ailleurs, on a tous les équipes qui m'ont dit dans le 5e, 6e, ils m'ont dit oui. Donc, à Knit Soulim, si Arbif Kenas champion, il a décidé de nous être relégable directement. C'est là que ça a été champion, mais il a été un champion. Il a été un champion à 16, à Knit les 16 équipes. Quand du moment où là, pour ne pas, c'est-à-dire, quand il y a un champion, il y a un champion. سي ار بي اف كانت الشامبيونه كانك ياك وذاك اللي بغينا نصب انت لي زيكيب نوكسار خدمت سبع زيكيب او موا نكينا كنسوا لي غوفا نكون نخدم دو جروب دونك اش تاكير كلي سي اثن داك بلغت لا كور السودان قام تدوي جورني كيف كيف من الجزائر لو بريزيدون لا فيدراسيون اين اجل جو ان ديزيني تكمل تدوي جورني كمل نوي جورني مي فوق المريخ شامبيون فوالا الهلال دوزيام فوالا سي كوم سا دونك او فان سولا لي 38 جورنيه كي كل ما دير نون من مي او كانوا كان نكمل لي 8 جورنيه كي متا سي سبتمبر ني غير داكي سي لي ماتي دي ديكس لا بريباراسيون ديكس لا كونتينيتي تكوماسي لا سيزون داك تكوماسي لا سيزون ا بارتير دو 1 جانفي ما هو ياك سمياش من سيزون فوالا الكالندري دو 1 جانفي او 31 ديسمبر فوالا ما مقارنه تبان اون سيزون تبان داي تاتي اون اكسبسيون دونك كي كيشتو على هاشتاغ La vie d'un technicien, dites-le. Absolument. Est-ce que vraiment, il se chauffe un peu? Voilà, c'est la question. Ouais. C'est les questions que je me pose. Tu as un peu pratiqué chez nous. On ne consulte pas les intéressés. Décide. C'est décide des décisions ou... administratives. Décide. La commission médicale de la fédération avait bien prononcé la dernière fois la reprise de Damardi, je crois, si mes souvenirs sont bons. Il avait bien dit Blik. La reprise n'est pas possible en l'état actuel des choses. Nenès, on va reprendre. Donc, le problème, c'est que ni les techniciens, ni les gars, c'est les clubs qui ont décidé. Encore une fois, les clubs, c'est vrai qu'il y a une certaine c'est vrai que la fédération a besoin de la caution des clubs. Mais il y a une souveraineté qui va, parce que la fédération... Elle est là pour satisfaire tout le monde et faire consensus. Le consensus, c'était d'aller faire l'histoire de deux poules. C'est tout. Ils nous ont décidé de créer un championnat unique avec un club. Il faut qu'il aille dans un consensus. Comme tu l'as si bien dit, Erthura, Mkidenev, on sait quand commencer, mais on ne sait jamais quand est-ce qu'on doit finir. C'est ça le problème. On ne sait même pas quand est-ce qu'on va avancer. Tu as vécu, Dagui, tu es en train de vivre, tu as vécu, tu sais comment les gens fonctionnent chez nous. C'est à la tête, au bonheur, la chance. Jamais la fédération, la ligue professionnelle, n'a arrêté, jusque-là c'était les 30 journées, n'a arrêté un calendrier de 30 journées, du début jusqu'à la fin, avec les dates, et avec ce que vous appelez, donc vous en tant que technicien, ce qu'ils appellent des dates fenêtres, pour placer, éventuellement pour aérer, pour placer des matchs en retard, ou là pour placer des matchs qui ont été reportés pour une raison ou pour une autre. Donc jusque-là, Akhlaq Dkara, je te l'ai dit, Thura, les quatre représentants algériens en Coupe d'Afrique, ils vont payer comme il se doit la sauce. Parce que, comme Kid Karakchini, s'il n'y a pas, si les pouvoirs publics ne vont pas mettre à la disposition de ces clubs tous les moyens, ne serait-ce que pour leur transfert vers le continent à travers des avions privés, tu n'en seras jamais. Et puis, comme tu l'as si bien dit, nous sommes en train de le voir avec une sélection nationale et non pas un club. Une sélection nationale où il n'y a plus de demi-mesure
Nenesen Welu, vous n'avez pas le document nécessaire, vous n'allez pas rentrer en Gambie. Donc tout ça, c'est des aléas auxquels le BRB, ni les responsables de ce football, ni rien n'ont pris en charge. Voilà. Awaliou, Erda, Lewen, Enkshub. Voici ça. سلمي سلم العنايك في سلم مفهونة في أوبر اي شكرواك متنا لو بريزيدون دو لا فيديراسيون سوداني سي لانسيان بريزيدون دو مريخ ياك نو سي لانسيان بريزيدون دو الهلال دو الهلال فوالا باردون الهلال دونك ساو سلمي الي سوداني ساو سلمي أوبر Et puis, ça va, c'est la Mekchine, Inch'Allah. On aura d'autres occasions de prendre un café ensemble, Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà. Awali Warda, à Mohamed Khadmiti. Akahsa, moi je dois rentrer. Awali Kangar, ou Chine Assi Hassan. Awali Kangar. Aya, Rahd Wail, ten merti. دونك تنمرت رشيد تنمرت كنت ويدي كان يدنا سورفوتا تكنيك مو وزر غير ما سي جي ريوسي كرا دوران الصوت سي اوبليجي نحبس باسكو رشيد هذه يروح يفا بروندر هذه يروح الكونفين مو يسولو دود ولا امين يسول هنا الله غالب امين ادنو غال في كلتا نيغون اولاني تنمرت نقول نجيكون ذي الخير اد لهنا ادنو غال رزات في سقارن اكن ولف دائما ليميسيون اكينيا ان شاء الله هذا دنسوغال ريغوليارمون وهذا دنسوي جونفي دو تيرميني سي تو بيرمي اونكور مازال مازال داكور لا لا صوت غورك المونسيون اللي قال اول تيغارا سك اونكور اون فوا السلام قبليك بدل هذا حضرني منسن وي La COVID a fait tabouin à Segui Canandré, Segui was Everly, tabouin une famille, un couple entier. Voilà, Narahma. Il was un Omar Sness, un Seim Valle Segui, Everly, Fantofism Valle Segui, à cause de la COVID. Donc la famille Sness, la famille Oukil, et puis à toutes les familles qui ont perdu un être cher. Klitsou Alir Belik, l'en Mazel, les inconscients. تسولي عليك مازال لي ماتش فوتبول لاعبين ديال لي تيرا ياكي دو بروكسيميتي السنة عدا غادي لا نوفيل فيلو فيغ مدير مازال لاعبين فوتبول اكون يهضر بماشي اون التون دو جوي بونس ان نوتر في بونس ان لا سونتي دو نو بارون فوالا اولي وردة اونكور اون فوا اسمي دنقار اكون يهضر بي كوفيد ياكي لا تقارن بليك تخدم غادي تبون تخلصك تبون تخلصك الحكومة الساكي سو كي اون ايتي توش سو كي وغادي يقارن كاكي C'est qu'ils ont été touchés. Voilà. Et je n'ai jamais été un clown, encore moins un pitre, pour dénoncer les choses. Nous sommes en train de les dénoncer et nous continuerons à dénoncer les choses alors qu'on y adore. Mais, well, il y a trop de morts. Absolument. Parce que rien ne dit que ce qui est de nouveau ou ce qui est de nouveau. Inch'Allah, salam, inch'Allah, l'mhadra, l'mhadra, l'mhadra. On ne le répétera jamais assez. La seule solution actuellement, elle n'est pas médicale, elle est préventive. La distanciation. La distanciation. Ouais. Même à Khamna Rabbi Ghlaq. C'est tout. Absolument. Donc voilà un petit peu. Voilà, voilà ce que je vais dire. Il a dit que je vais dire que je vais dire je ne cesserai jamais de répéter ça. تنميرتك رشيد تنميرت نونا كوني دني غا كويسا كلمة اللام المحاذرة ويان كوني نيغا المحاذرة حذر وتيمن نون سوالي غا لان كرا مازال عطاس يسوين لي بافاتورا خدمان تنت سي تان بون ديبي عطاس ويذي غاني يخدمنا بو ديستونسياسيون مي مازال 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 هذه بعد ربي كان عطانا كيني كريم دانون وسوينا ويدي تصادنن ويدي يظنن اخر هذا قيمان دوك وخام رحنا الذوين من الكونفينمون سوانت واوير امشي سنين ندنا نطبط il faut faire attention à tant qu'il s'énerve sous stésie
ذاستازين إسيتنا نيوطنا كينيو وين كينيو أولي وفي دانو غير وول نرشيد كثيدينا يوزن فوالا أوليني نجوك من ذي الخير لنا أكون دمليل ذي تدويل نظن ما يبغى ربي ارتفاث